Et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Gerbo. Bonsoir. Merci d'être là. Donc je te présenterai dans une minute. Comme d'habitude, donc merci d'être là pour Space Apéro. N'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de son sur TikTok ou sur YouTube. Je regarderai vos commentaires. Donc voilà, vous me tenez-moi au courant si le son est bien, si l'image est bien, enfin s'il y a pas de problème. Et puis aujourd'hui, j'ai pas de modérateur, donc posez vos questions, c'est moi qui les récupérerai directement. Donc voilà, si je réponds pas tout de suite, n'hésitez pas à les reposer et puis on viendra. Ok, alors l'audio est très faible. Est-ce que l'audio est très faible pour tout le monde? Je peux augmenter un peu le son. J'ai peur que ça devienne trop fort après, mais est-ce que l'audio est ok? Bon, bah au pire, montez le son sur vos ordi, hein, c'est aussi... C'est aussi un travail d'équipe, donc voilà, on fait ce qu'on peut ici. Donc après, c'est quelques préambules un peu logistiques, on peut commencer. Donc bienvenue encore une fois, Gerbo. Merci beaucoup. Merci d'être là, tu vas nous parler de physique mésoscopique. Tout à fait. Je pense que moi, je ne sais pas ce que c'est en tout cas, okay. Donc ça va être la surprise. Et donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, je les transmettrai à Gerbo quand il faudra. Donc peut-être que tu peux commencer par un peu te présenter, ouais. Nous raconter un peu ton parcours, où t'en es dans ta carrière de chercheur, parce que t'es un jeune chercheur, mais bon, ça peut être à différents stades. Donc, ouais, qui es-tu, d'où viens-tu Alors, donc, bonjour à tous. Donc je suis maintenant chercheur CNRS, donc ça fait maintenant un an et demi que j'ai réussi à décrocher un poste. Bravo, en vrai, déjà, ça c'est une... Ouais. Courage à tous ceux qui passent bientôt les concours, ça... Donc, c'est pas facile. Donc ça fait un an et demi que je suis chercheur et donc moi je travaille à l'ENS à Paris, au département de physique, donc le laboratoire de physique de l'ENS. Ok, donc t'es déjà un chercheur permanent, donc c'est t'es ça. Pas aussi junior que certains qui ont non. été ici. Non, parce que j'ai soutenu ma thèse en 2016, j'ai commencé ma thèse en 2013, donc je suis rentré pile poil dans les clous des 3 ans, ce qui est pas si commun que ça, au final il y a beaucoup qui prolongent un petit peu plus. C'est vrai. Et après la thèse, donc moi je suis parti en postdoc, donc j'ai fait 3 postdoc, donc 2 à Copenhague, au Danemark, 2 ans à Saclay, donc au CEA à Saclay, et 2 ans à l'ESPCI à Paris. Okay. Donc à l'issue de ces 6 ans de postdoc et 3 ans de thèse. Donc peut-être qu'on peut redire vite fait ce que c'est des postdocs aussi, hein, juste pour mentionner, je pense pour les gens qui ne sont pas forcément familiers, on a déjà parlé, mais juste tu peux en quelques mots... C'est quand on est un mercenaire de la recherche, qu'on est payé pour faire de la recherche. Sauf qu'on n'a plus les contraintes de la thèse qui sont d'écrire une thèse à la fin. Et on n'a pas encore les contraintes des charges permanentes qui sont de faire beaucoup d'administratifs. Mais par contre, il y a la contrainte de ne pas savoir où on sera dans 2 ans à la fin du postdoc. Donc voilà, donc quelque part, le statut est un peu intermédiaire entre les deux. Oui, une certaine précarité, c'est certains avantages aussi peut-être. Mais c'est surtout l'intérêt beaucoup du postdoc, c'est aussi de développer un peu sa culture dans le milieu, d'étoffer un petit peu ses connaissances, ses capacités, tous ses skills un peu, pour après pouvoir, ce qui nous permet après de postuler à des postes permanents. Oui, et puis même son réseau aussi, rencontrer des gens dans d'autres labos, avoir un peu des contacts à l'étranger, ailleurs en France et tout, quoi. Donc c'est un autre temps de formation en quelque sorte. Quoi. Exactement. Ouais, c'est aussi là qu'on commence vraiment. Enfin, on écrit des papiers pendant la thèse, mais c'est là qu'on commence à être beaucoup plus autonome aussi sur ce genre de travail, et jusqu'à devenir le leader après quand on a un poste permanent. Mais, voilà. Ce que tu es maintenant depuis une heure et demie, j'allais dire. un peu plus qu'une heure et demie, un an et demi. Mais oui. Et est-ce que tu peux nous dire aussi peut-être 2-3 mots sur ta formation avant d'être en thèse, comment alors, on devient qui tu es? Donc moi j'ai une formation qui est passée uniquement par l'université. Donc, j'ai suivi une licence de physique à l'université de Caen. Ouais. Et donc c'est une licence généraliste où il fallait juste choisir quand on arrive en 3e année si on partait sur le parcours recherche ou sur le parcours enseignement. Donc pour tous ceux qui se dessinent pour être professeur, pour passer le CAPES ou la GREG ensuite. Ouais. Après le master, c'est quelque chose qui est un peu plus spécialisé où il faut commencer à faire des choix sur les thématiques qui nous intéressent. Et là, je suis venu à Paris parce que l'université de Caen est beaucoup plus spécialisée dans tout ce qui va être physique des noyaux, des ions lourds, etc. Parce qu'il y a l'accélérateur d'ions lourds là-bas, le GANIL, auquel j'ai fait plusieurs stages. Je crois que j'ai fait 2 stages là-bas au cours de ma licence. Mais ce n'est pas un sujet qui m'intéressait plus que ça. Moi, je suis plus intéressé à l'époque. Moi, je voulais faire de la théorie et je voulais faire de la physique quantique. Voilà. Donc, pour ça, je suis parti donc, à Jussieu, donc à l'Université Pierre et Marie Curie, qui maintenant s'appelle Sorbonne Université, parce que pareil, ça change de nom tout le temps. Et donc là-bas, j'ai suivi le M1 de physique fondamentale,
où j'ai suivi plusieurs cours. Ça restait assez généraliste quand même, mais plutôt orienté mécanique quantique, les cours de physique statistique aussi, et puis des trucs qui m'intéressaient de manière globale. Ouais. Physique, théorie des champs, etc. Et après, c'est vraiment en M2 que je me suis spécialisé, où là, j'ai suivi le M2, qui est un M2 qui prend place à l'ENS, mais qui est cohabilité par Polytechnique, par Jussieu, par l'ENS Cachan également. Et donc, du coup, ça regroupe pas mal de gens qui viennent d'horizons assez différents. Et le Master 2 lui-même a été un Master Physique Quantique, donc Master ICFP. Voilà. Donc, c'est vraiment une espèce de truc, ça, c'est assez standard, hein, genre assez... en pointe comme ça, où on commence par avoir des bases de la physique et se spécialiser de plus en plus. On coupe les branches, on se dit « Ah non, la thermodynamique, non, j'aime pas ça. Ah non, ouais, l'optique, c'est non, c'est pas ça. La physique des particules non plus. » Et on finit par converger sur un truc... Un peu. Mais c'est un peu ce que j'ai fait tout le long, où les trucs qui m'intéressaient, je fais « Ah tiens, je vais aller voir ça. » Et puis finalement, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Mm-hmm. Et donc du coup, donc à la base, je voulais faire de la théorie. Et j'ai fait beaucoup de stages de théorie aussi quand j'étais en M1 ou en M2. Ouais. Enfin, en L3 et en M1. Et je me suis dit, quand même, avant de faire une thèse en théorie, je vais quand même voir si l'expérience ne peut pas m'intéresser un peu plus. Ouais. Et finalement, j'ai fait un stage expérimental à l'INSP à Jussieu. Donc en master, ça En master 2. En master 2, donc c'est des stages plus longs qui durent 4 mois, donc 2 mois à temps complet et 2 mois à temps partiel. En tout cas, c'était comme ça à l'époque. Ouais. Et donc, pendant ce stage, j'ai fait des expériences qui étaient des expériences de physique de basse dimension, donc c'est-à-dire des systèmes à deux dimensions, donc des électrons qui vont être confinés à deux dimensions, donc la troisième dimension on l'oublie complètement. Ok, donc ils sont un peu sur un plan quoi. C'est ça, complètement sur un plan. Ouais. Et donc sur des supraconducteurs, donc c'est-à-dire des matériaux qui conduisent l'électricité de manière parfaite et dans lesquels il y a des électrons s'apparient sous la forme de paires de Cooper. Voilà, donc après ce que j'ai étudié c'était comment... Là t'as dit beaucoup voilà, de mots j'ai dit beaucoup de mots. Mais voilà, grosso modo ce que je regardais c'est comment le désordre et les défauts dans ces matériaux-là influençaient le comportement des électrons. Okay. Donc, ce qu'on allait voir, c'était, ce que je faisais, c'était la microscopie à effet tunnel, et la spectroscopie à effet tunnel. Donc l'idée, c'était de pouvoir vraiment imager à l'échelle atomique la structure du matériau, la matérialisation de l'ordre de quelques angstroms. Quelques angstroms, c'est très 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 voilà, petit quoi. C'est 10⁻⁰ mètres. Ouais, voilà. ouais. Et sachant que la distance interatomique est typiquement de l'ordre de l'angstrom. Donc t'es vraiment, tu regardes la matière, mais au niveau vraiment des atomes. C'est ça. Quoi, genre, donc du coup, on pouvait visualiser vraiment les impuretés individuelles. Et la technique de microscopie effet tunnel permet aussi de faire de la spectroscopie, c'est-à-dire d'aller regarder en énergie comment les particules vont se comporter. Et quand on fait ça, donc on peut regarder sur toute une gamme d'énergie. Donc généralement, on est dans l'ordre du millivolt, du millielectronvolt dans ces systèmes-là. Donc c'est à basse température aussi, parce que sinon les échelles d'énergie ne sont pas compatibles. Si on est trop chaud, l'énergie n'est pas bien définie sur ces gammes-là. Bon, on vous donne beaucoup d'informations. Voilà, dès beaucoup le début, là, bam, ça rentre, mais on reviendra un peu plus tranquille. Et c'est que la thèse, encore les postdocs et tout le reste après. C'est ça. Mais bref, donc voilà, donc j'ai fait ma thèse expérimentale. Mais donc là, tu disais que genre t'as commencé par faire ce stage de master 2 expérimental, ouais. Et en fait, tu t'es rendu compte que ça m'intéressait, que ça me plaisait, et que c'est pas forcément la théorie ce que tu voulais faire. Non, et puis avec le recul, je pense que c'est aussi une bonne chose aussi. Enfin, pas une bonne chose, mais un choix qui était sensé vis-à-vis du nombre de postes qui sont disponibles dans l'expérimental versus la théorie, où c'est beaucoup plus difficile aussi de trouver de trouver un emploi dedans. Oui, même en termes de postdoc ou quoi, c'est pas forcément les mêmes... Après, trouver un postdoc, ça reste faisable, mais on peut pas continuer les postdocs non plus jusqu'à ce qu'on ait 40 ans, puisqu'après, c'est fini. On en reparlera peut-être plus tard, en fin d'émission, j'allais dire. vraiment comme à la télé. Mais en tout cas, donc, là, tu nous as dit un peu des trucs. Est-ce que donc, ça, c'est déjà ce qu'on appelle la physique mésoscopique? Alors, mésoscopique, ça veut dire qu'il y a micro et il y a macro. Et méso, c'est entre les deux. Voilà. Donc, c'est vraiment une question d'échelle, quoi. C'est genre, est-ce qu'on regarde des choses plutôt grandes ou plutôt petites? Voilà. Après, tu dis... Donc, tu as dit que c'est entre micro et macro, donc c'est... c'est sur quoi je travaille maintenant et qui a un peu évolué. C'est-à-dire que là, j'étais vraiment plus à l'échelle des... études quelque part des matériaux et des comportements de réaction des matériaux aux impuretés à l'échelle atomique. Voilà, donc là, on est un peu plus dans le micro, même si on n'est pas encore aux échelles que peut y avoir dans la physique nucléaire, où on va aller voir les composants vraiment élémentaires de la matière. Mais on n'est pas non plus sur la physique, on va étudier les comportements macroscopiques de systèmes complexes, comme des tas de sable, comme des nuées d'oiseaux, ou ce genre de choses, qui sont des physiques très intéressantes, mais qui sont très éloignées aussi des propriétés quantiques de la matière. C'est marrant quand même, si je peux intervenir une remarque, genre, du coup, macroscopique, c'est tout ce qui est plus grand que, en gros, tu vois, genre, nous, ce qu'on fait en cosmologie, genre, des tas de sable, la cosmologie, c'est toute la physique macroscopique, c'est quand même vaste, quoi. Pour nous, on va dire, en tout cas. On est peut-être un peu sectaires là-dessus. On est tous dans le même bateau, quoi. Genre, c'est, mais en fait, l'idée, c'est surtout que de se démarquer du micro, on va pas... dans la physique mésoscopique, de manière générale, s'intéresser vraiment à ce qui se passe au niveau d'un atome, et c'est ce que je faisais moi pendant ma thèse. Mais après, c'est plutôt d'aller regarder, ok, quand on commence à considérer des ensembles d'atomes,
mais qu'on a quand on préserve les propriétés quantiques de la matière, qu'est-ce qui se passe? Okay. Et donc là, c'est tout ce qui va être lié au champ, par exemple, d'information quantique, où les gens essaient de manipuler les systèmes quantiques pour en extraire, pour faire des calculs avec et en tirer de l'information. Okay. Voilà. Donc en fait, dès qu'on va pouvoir avoir des objets plus gros, donc plus méso, donc on va avoir ce qu'on appelle des grilles électrostatiques par exemple, mm-hmm. on peut contrôler par où les électrons vont passer, on va pouvoir ouvrir, fermer des passages pour les électrons, on va avoir des contacts ohmiques, on va regarder le transport dans ces systèmes-là. Et okay. cette fois, on est vraiment sur des ensembles d'atomes et des cristaux, des matériaux qu'on regarde de manière plus globale. Peut-être avant de rentrer du coup plus dans les détails de ce que tu fais toi, on peut redéfinir un peu des choses qui sont, enfin genre cette limite dont tu parles entre eux, parce que là tu disais genre ok on regarde pas à l'échelle forcément des atomes, mais on garde les propriétés quantiques mmh. de la matière. Donc peut-être ça peut être intéressant déjà de ouais. recontextualiser et redire un peu ce que c'est les propriétés quantiques de la matière en fait. Quelle est la différence entre cette physique quantique et la physique du coup plus mmh. macroscopique, on a plus ces effets quantiques. Ouais. Bah alors, je vais prendre un exemple qui est l'effet tunnel. Un effet qui est assez mmh. bien connu, qui est par exemple si on prend une particule ou mettons une balle de tennis dans le monde dans lequel on a l'habitude et qu'on la lance contre un mur, elle va nous revenir dans la tête, sauf si on la lance suffisamment fort pour détruire le mur, mmh. simplement parce que la balle n'a pas suffisamment d'énergie. Et pareil, si on la lance au-dessus et qu'on la lance pas suffisamment haut, la balle va rebondir et nous revenir dessus. Ouais. Si maintenant on est dans le cas. Ça, c'est assez standard. C'est standard. Je pense que tout le monde se rend compte que la matière traverse. Chez vous. Traverse. Ouais, faites ça, attention aux choses qui cassent. Mais vous pouvez lancer des balles sur des murs. Essayez de ne pas casser les murs non plus, mais voilà. A priori, ça va rebondir. Maintenant, ouais. quand on est dans le monde de la physique quantique, mm-hmm. les particules ne sont plus définies de la même manière. On ne peut plus définir qu'une balle est définie par un point. On définit les objets par leur fonction d'onde. Par exemple, un électron est défini par sa fonction d'onde qui va déterminer quelle est la probabilité que l'électron se trouve à tel endroit, à tel instant. En fonction de tout un tas de paramètres extérieurs qui vont être l'énergie, du potentiel, etc. Mais en particulier, un effet qui est assez contre-intuitif quelque part pour ce qu'on a l'habitude de déjà, voir. Déjà, je pense que ça, c'est contre-intuitif. Toi, tu le dis comme ça, comme si c'était assez... Au bout de quelques années, ça devient... Ouais, c'est ça, ça devient standard. Mais déjà, parler, je pense, de fonction d'onde, oui. de probabilité que quelque chose soit quelque part, je pense que ça, déjà, ça peut prêter à... je pense que, tu vois, c'est déjà des côtés très... contre-intuitif de la physique quantique, quoi, et c'est qui ça. Déjà sont assez... C'est juste déjà les ouais. objets qui sont manipulés sont contre-intuitifs et pour la simple raison qu'ils n'existent pas à notre échelle. Mm-hmm. Et c'est un peu aussi l'objet de la physique microscopique, c'est de quelque part ramener vers notre échelle mm-hmm. ces propriétés sur lesquelles on n'est pas habitué à raisonner. Mais donc déjà, je pense que c'est des bases qu'on peut poser pour la suite du live, quoi, genre... pour que les gens sachent des objets dont on parle. Donc toi, tu vas parler souvent de... Enfin, quand on s'imagine, genre, tu parles d'un électron ou quoi, c'est une fonction c'est d'onde. Voilà. C'est... Après, ça va dépendre un peu de comment chacun visualise ces choses. Enfin, je sais pas, on va voir Oppenheimer, il visualise ces trucs dans le film de Christopher Nolan. Mais voilà, l'idée, c'est souvent qui est mentionné dans les cours de physique quantique, c'est qu'on va imaginer un peu comme une vague. Mm-hmm. Et cette vague définit, l'amplitude de la vague, si elle est plus haute ou plus basse, définit si on a plus de chances de trouver l'électron à cette position par rapport à une autre. Et maintenant, une vague, c'est un objet qui est composé de tout un tas de particules, de molécules d'eau, etc. Alors qu'en mécanique quantique, c'est vraiment un seul électron qui est vraiment étendu dans l'espace. Et en tout cas, la probabilité de le découvrir, de le mesurer, varie en fonction du temps et en fonction de là où on va regarder. Donc il n'est pas un endroit bien défini, bien précis. C'est pas une position qui définit son état, mm-hmm. mais c'est une fonction plus complexe, une fonction de nombre complexe, qui va définir cette position. Et cette fonction okay. d'onde-là, après, du coup, a des comportements qui sont différents. Un peu comme une onde sonore. Justement, une onde sonore peut passer à travers un mur et mm-hmm. une particule quantique peut passer à travers une barrière de potentiel. Donc, un obstacle qui serait infranchissable pour une particule ponctuelle est franchissable par une onde de matière quantique. Donc, une balle quantique pourrait traverser un mur si tu lances c'est ça. D'une certaine manière. Et typiquement, les balles que nous, que moi, j'utilise, ça va être des électrons. Mm-hmm. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'effet tunnel, juste pour raccrocher les wagons. C'est ça. Donc, l'effet tunnel, c'est balancer un électron sur un mur, et l'électron va passer à travers, même si normalement, il ne devrait pas, parce qu'il n'a pas suffisamment d'énergie pour le traverser. Mm-hmm. Ok. Voilà. Donc très là, imagé. Très imagé, mais je pense que c'est important de mettre ces bases-là déjà, parce que quand on parle de quantique, souvent, il y a plein de choses comme ça, qui sont. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui sont dites, qui sont. En fonction des contextes pas forcément corrects ou pas forcément très précises et tout. Donc je pense que c'est déjà bien de replacer un peu cette différence entre la physique plutôt classique et la physique un peu quantique. Quoi. Ouais. Est-ce que tu as peut-être d'autres exemples de propriétés quantiques de la matière comme ça, genre juste pour ce, enfin, tu vois, pour alors, ce, une expérience, une autre idée, expérience qui est assez connue, c'est l'expérience des deux fentes. Ou si on envoie sur un mur avec deux trous dedans, donc cette fois on oublie l'effet tunnel complètement, mm-hmm. les particules peuvent passer uniquement au niveau des deux trous. Comme la particule est définie par une onde,
on va voir en fait une interférence, c'est-à-dire que si vous envoyez une onde sur l'eau et que vous la faites passer par deux trous, vous allez voir que vous allez à chacun des trous avoir une nouvelle onde qui émerge, une nouvelle source qui est créée au niveau des ouvertures. Et ces deux sources vont interférer l'une avec l'autre et créer des maximums, enfin des minima et des maxima qui sont liés à l'interférence de cette onde. Et ben, c'est la même chose avec les électrons. Ça va créer genre des, comment on dit, des patterns, des... Ouais, j'ai le même problème, des anglicismes qui arrivent. Des motifs, ouais, des structures un peu, genre où les des structures plus complexes, ouais, c'est ça. C'est un peu complexe, on s'adapte. Alors que si on imagine, par exemple, deux trous dans lesquels on va tirer, c'est un exemple que donne Feynman dans un de ses livres de physique, c'est si on tire des balles à travers deux trous, ce qu'on va voir à la fin, c'est qu'il y a une balle qui sort et une balle, c'est une balle. Alors que si on envoie un électron, le comportement qu'on va avoir sur le mur qui est en face qui va récupérer l'électron, bah, le comportement qu'on va avoir va être un comportement oscillatoire qui vient de l'interférence des particules au niveau, enfin qui sont émises de chacun des trous. Et en fait, viennent du même électron à la base. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut baisser le nombre d'électrons, parce qu'on pourrait penser que c'est plusieurs électrons qui vont interférer entre eux et qui n'ont pas de cohérence. Mais même avec, si on envoie des particules individuelles, on voit que ces électrons interfèrent vraiment avec eux-mêmes. Ok. Voilà. Donc, c'est vraiment des notions ondulatoires qui sont extrêmement importantes. Dans la description du comportement des particules à l'échelle quantique. Ouais, donc juste pour après une question que je te poserai, mais genre juste pour poser ça clairement, donc voilà, quand on parle de ces objets, on peut pas s'imaginer juste des boules qui ou des billes qui passent quoi. Faut vraiment s'imaginer que c'est genre tout un mécanisme plus compliqué que ça. Et après donc en mécanique quantique, les états d'un système sont définis par des niveaux d'énergie et une particule habite sur un niveau d'énergie. Et ce niveau d'énergie a une fonction d'onde qui est associée, etc. Okay. Et après, ce qui va être important, c'est de travailler à suffisamment basse température. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup dans des cryostats à dilution, donc des cryostats qui fonctionnent à très basse température. Donc on est typiquement aux alentours de 20 millikelvin, quelque chose comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on est 20 millidegrés au-dessus des zéros absolus, qui est de moins 273,15 degrés Celsius. Et pour la simple et bonne raison, c'est que la température, c'est l'énergie. Et si on fournit l'énergie au système, on va commencer à aller explorer tous ces niveaux d'énergie. Et en fait, on va avoir un mélange de toutes ces fonctions d'onde, de tous ces états, dans un même objet. Et à la fin, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir étudier quelque chose de simple, qu'on arrive à comprendre. Et donc, pour ça, on est obligé de refroidir le système de façon à ce qu'il reste dans son état fondamental le plus possible. Et que s'il transite, s'il change son état, on soit à l'origine de ce changement et qu'on puisse le contrôler. Ok. Donc juste pour reprendre un peu cette analogie de la vague dont on parlait, c'est juste que si y a plus d'énergie, la vague que tu regardes, elle sera déjà un peu complexe, elle aura des structures un peu en elle-même quoi. Bah, si on change d'énergie, on va changer par exemple la fréquence de la vague, ce genre de choses. Et du coup, si t'es pas à très basse température, genre tu peux avoir un mélange de plusieurs fréquences. C'est ou un ça. Truc, donc une tu peux, vague a, un tu peu, peux avoir des, ce qu'on appelle des... j'ai oublié le mot... donc on l'appelle pas, on peut avoir des superpositions d'états dans lesquelles en fait le système quantique se trouve dans plusieurs états à la fois. Et après, c'est en le mesurant qu'on va le faire, qu'on va le projeter dans un état défini. Voilà. Okay. Bon, après, la manière dont ça se fait, tout ça, ça fait plus de 100 ans que les gens s'arrachent les cheveux et se crient dessus autour de bière pour savoir comment ça marche et qui a raison. C'est quelque chose qui est compliqué. Et au final, nous, ce qu'on a accès, c'est le résultat final. C'est les observables physiques qui sont importantes. Ouais, non, c'est vrai. Enfin, c'est des choses, enfin bon, la physique quantique ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc et c'est toujours des trucs genre où ça semble pas du tout naturel en fait ce qui se passe quoi, et genre considérer ces trucs, mais bref. On avait une question sur YouTube qui demandait: est-ce que le plomb c'est difficile à traverser même au niveau quantique? Bon, ça va dépendre de l'épaisseur, c'est comme tout. Ouais, parce qu'en fait quand je parlais d'effet tunnel, c'est pas des vrais murs. Par exemple, du coup, je mentionnais que moi, je travaillais sur le microscope à effet tunnel quand j'étais en thèse, et le principe c'est on va avoir un matériau qu'on veut sonder. Et au-dessus, on a une pointe qui se déplace. Et la pointe est très fine. Et ce qui compte, c'est vraiment le dernier atome de la pointe, à partir duquel les électrons vont être émis pour aller sonder la structure qui est en dessous, en tout cas le système qui est en dessous. Et il faut que la distance entre les deux soit extrêmement petite, puisque la dépendance du courant, parce que c'est le courant tunnel qui va nous intéresser, donc en fait, le nombre d'électrons qui passent à travers le vide pour aller de la pointe vers l'échantillon. Donc combien d'électrons passent par unité de temps à travers. Et ce courant décroît exponentiellement avec la distance. Donc, plus t'es loin et plus c'est dur de c'est passer, ça. Quoi. Donc, typiquement, les distances qu'on va avoir vont être quelques centaines de nanomètres. Voilà. Donc, ça, au moins, c'est un peu intuitif aussi. Genre, plus la taille du mur est grand et plus c'est dur de passer à voilà. travers, quoi, en quelque sorte. Donc, et le plomb, c'est pareil. C'est pareil. Que ce soit du plomb ou autre chose, ça va dépendre des interactions au niveau des particules, puisqu'un électron est chargé. Et est-ce que l'électron va interagir avec le plomb? Voilà, c'est des questions. Par exemple, moi, ce sur quoi je travaillais, c'était justement des monocouches de plomb sur du silicium. Okay. Et en fait, les électrons étaient émis dans la mer des électrons du plomb,
C'est-à-dire que le plomb, en fait, c'est un métal. Donc, du coup, on a des électrons partout qui participent à la conduction de l'électricité dans le système. Et donc, ces électrons partent dans cette mer et après sont évacués vers la masse, la Terre, qui est la référence vraiment de potentiel. Et après, du coup, on regarde simplement quelle est la différence, quel est le courant qui est passé, qui est simplement la différence de potentiel entre la pointe et, la masse. Et du coup, ça te permet de sonder le relief. C'est ça, un peu, parce que du coup, comme la probabilité de traverser va dépendre non seulement de la distance, mais également de la fonction d'onde, donc c'est-à-dire la manière dont vont se comporter les électrons dans le matériau, on va avoir une dépendance spatiale de cette quantité. Donc en voyant, en bougeant comme ça, on va pouvoir aller sonder quelle est la structure atomique du cristal, mais aussi quelle est la structure électronique quand on fait de la spectroscopie. Et donc cette fois, on va regarder à telle énergie, quelle est la probabilité de trouver des électrons à telle énergie, etc., etc. En particulier, lorsqu'on a des défauts, ils vont avoir tendance à affecter les électrons qui vont donner naissance à des états, à des énergies bien définies, des structures bien définies qui sont définies par l'ordre cristallographique sous-jacent, par exemple. T'as encore dit tellement de mots que genre, je ne sais même plus lequel définir. Mais en gros, juste pour résumer, donc, toi, tu disais l'effet Tudel, donc ce truc... Bon, tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises, mais en gros, cet effet donc, purement quantique... où genre des particules peuvent traverser soit de la matière, soit là du vide en l'occurrence, et qui te permet en fait de tracer vraiment la structure de la matière, mais à toute petite échelle au niveau d'un atome, ce qu'on ne pourrait pas faire en fait avec des microscopes ou des trucs qui s'appuieraient sur la lumière. En fait, c'est ça, parce que la lumière est limitée au niveau de la longueur d'onde, c'est-à-dire quelle est la taille minimale qu'on peut atteindre. Les électrons, en fait, la longueur d'onde est reliée à leur énergie. Au final. On a des questions sur TikTok aussi. Est-ce qu'avec un microscope à effet tunnel, on peut sonder tous les matériaux? Non, il faut que le matériau soit conducteur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des électrons, des états qui sont accessibles ou envoyer des électrons. Sinon, les électrons, on les envoie, ils restent là et on ne peut plus en ajouter d'autres. Et donc, du coup, le courant s'évacue pas, donc on a un courant qui est nul et si le courant est nul, on a zéro signal. Ok, donc c'est que typiquement les métaux, les c'est trucs. Ça. Après, si c'est un isolant, on peut aller à plus haute énergie et là, on peut exciter les isolants. Mais du coup, ça peut être parfois un peu critique si on a ce qu'on appelle des gaps d'énergie, donc des bandes d'énergie interdites. Si l'énergie est trop forte, ça revient quelque part balancer des électrons à très haute énergie, ça peut détruire l'échantillon. Voilà. C'est un peu plus énervé, ouais. Et donc, j'imagine, il y a d'autres solutions pour observer la structure fine. Enfin, bon, c'est peut-être ça va dépendre, puisque si on veut vraiment aller plus dans le détail vraiment de ce qu'est un atome, là, il faut aller dans les accélérateurs de particules et envoyer des particules de très haute énergie pour briser ces particules-là. Et après, il y a d'autres moyens d'observer. Je vous renvoie sur le live avec Louis, qui doit être, je ne sais pas, dans les lives quelque part sur Space Apéro. On avait parlé de physique des particules, justement, et de collisionner des trucs pour voir ce qu'il y a dedans. Ouais. C'est la physique. De toute façon, on casse des trucs et on garde ce qui sort. C'est ça. C'est un peu la philosophie. C'est vrai que ça fait partie du fun. Nous, on ne peut pas trop faire ça en astro quand même. On ne peut pas trop casser les... Mais ils se cassent tout seuls, de toute façon. C'est vrai. Il faut les voir se casser, plutôt. Ouais, ça peut prendre un peu de temps. Mais... Une question plus globale qu'il y avait aussi sur TikTok, que je n'avais pas posée, c'est... est-ce que tu cherches une physique du tout? Je pense que dans le sens où mésoscopique, c'est être au croisement des visions de la physique. Donc ça, je pense, c'est une question un peu plus méta sur votre domaine. Est-ce que, vu que vous êtes entre la physique quantique et les grandes échelles... Je pense que la physique du tout, ça fait référence quand même à des choses qui vont être liées à la mécanique quantique et à la relativité générale. Ouais. Et nous, c'est pas du tout le cas, parce qu'on n'est pas du tout dans des grosses masses, des grosses énergies. On est ce qu'on appelle la physique de basse énergie. Donc au final, nous, ce qui nous intéresse, c'est des propriétés quantiques. Donc toute la description de nos systèmes se font à partir des lois de la mécanique quantique. Okay. Donc les équations de Schrödinger ou même des équations de Dirac, etc., qui sont plus des théories des champs, mais qui se rapprochent quelque part un peu de la physique des énergies dans le formalisme. Mais par exemple, le temps ne joue pas du tout le même rôle qu'en relativité. Même si après, on peut allier les deux, et là, on a la théorie quantique des champs, et ça devient un peu compliqué, etc. Mais, Et donc, donc c'est quand même genre globalement dans le cadre et dans le formalisme de la physique quantique, quoi, ce que vous étudiez. Ça, nous, ce qu'on regarde, ça va être des particules qui sont définies par une fonction d'onde, dont le système est décrit par des Hamiltoniens. Désolé, je rajoute encore des mots compliqués. Une autre question qu'il y avait sur YouTube, c'est: est-ce que l'électron s'éloigne quand il gagne de l'énergie? Il s'éloigne de X fois entre son premier niveau et son niveau maximal. Donc ça, j'interpréterais, est-ce que c'est peut-être dans une structure... Je pense atomique, dans un atome, l'énergie de l'électron est liée à la distance moyenne de la fonction d'onde par rapport au centre du noyau. Et donc du coup, quand on excite, en fait, on excite l'électron vers des orbites de plus haute énergie et qui sont plus loin du centre du noyau. Mais là, c'est différent parce que du coup, moi, ce que je mentionnais, c'était dans le contexte de physique des matériaux, où on n'a plus, plus d'orbites atomiques, mais cette fois, on a ce qu'on appelle des structures de bandes. C'est-à-dire que les électrons ont des bandes d'énergie autorisées en fonction de quelle va être leur vitesse et quelle va être leur impulsion, en fait.
des bandes, c'est-à-dire des c'est-à-dire qu'on a des, on va avoir des gaps, qui sont des zones d'énergie auxquelles on peut pas mettre d'électrons, mm-hmm. puis des bandes qui vont être des zones autorisées, et ces bandes vont être, en fait, sont un assemblage de, d'états physiques autorisés, mais qui sont reliés les uns avec les autres de manière continue. Ce qui, mm-hmm. on définit ça par des bandes, parce que si on regarde juste en énergie, on a bah, des bandes autorisées, des bandes interdites, etc., etc. Et du coup, quand tu parles d'état physique autorisé, c'est des vitesses, c'est des, c'est quoi, bah, c'est des positions. Un état physique que... est défini par tous les propriétés des particules. Donc. Mm-hmm. Par exemple, donc, quelles vont être sa position, quelles vont être sa vitesse, enfin, son impulsion, quelles vont être son spin, donc mm-hmm. le moment magnétique associé aux particules. Mm-hmm. Et après, ça va dépendre beaucoup d'un matériau à l'autre. Donc, c'est dur d'être très général là-dedans. Okay, après, Mais en tout cas, les, mais c'est lié aux propriétés des matériaux qui sont des cristaux, qui sont des structures périodiques, qui se répètent. Mm-hmm. Et donc, qui fait que on a des dimensions caractéristiques qui définissent des vitesses caractéristiques, etc., etc. Donc, en gros, par exemple, là, tu étudiais, genre, tu disais le plomb. Donc, tu vas voir cette structure de plomb. Tu as tous les atomes comme ça sous forme genre de structure un peu régulière, quoi. Ouais. Et après, toi, tes électrons, ils vont être... Enfin, est-ce qu'ils seront quand même genre liés dans ces atomes ou ils vont, toi, tu vas les envoyer, ils vont se balader? Non, les électrons ne sont pas liés à des atomes. Ils créent ce qu'on appelle une mer de Fermi. Et okay. du coup, cette mer de Fermi, on peut voir ça justement comme une mer sur laquelle on va aller créer des petites vagues qui vont être ces excitations, qui vont être les électrons qu'on rajoute au système. Okay, okay, et okay. ces vagues se déplacent, sauf qu'elles se déplacent suivant les lois de la mécanique quantique et pas mm-hmm. selon les lois de la mécanique newtonienne. Et, oui. et donc, elles arrivent, toi, de ton petit... De la petite pointe qui est sur le dessus, on les envoie et crée des ricochets quelque part. Voilà. C'est beau en vrai. Hein. J'imagine que visuellement, ça ne doit, doit pas se voir. Mais en tout cas, c'est marrant, juste un petit aparté. Tu as cité déjà tellement de noms de physiciens. Genre, je crois qu'on n'a jamais eu ça dans un live. Mais ils sont tous dans Oppenheimer. Ouais, dans c'est le... ça. On aurait pu faire c'est, un bingo Oppenheimer. C'est un album Panini. Ouais, c'est ça. J'aurais dû prévoir et faire un jeu de ce live. En plus, c'est les Oscars ce soir. Donc Ah, c'est les Oscars ce soir. Ah ouais, ouais. Mais c'est pas tout de suite, non? Si c'est aux US. Ouais, ouais, c'est plus tard. Mais c'est plus tard, ok. Ouais. On verra. Bon, bah peut-être que ça portera chance à Oppenheimer. Ouais. Bref, après ce petit aparté, donc on a un peu vu ce que c'était la physique mésoscopique, quoi. Genre, ouais. Donc essayer de. Enfin, c'est un peu entre l'échelle de la mécanique quantique. Mais, dans, les matériaux, dans les matériaux, on peut manipuler via des objets qui sont. Presque visible à l'œil nu, on va dire. Et du coup, le but de ça, parce que oui, il y avait la question aussi de TikTok qui était donc, c'est pas de faire une physique du tout, c'est pas de rallier genre, les différentes échelles. Donc, est-ce qu'il y a genre un peu un. La grande question physique, ça reste quand même c'est de comprendre les matériaux. Enfin, Il y en a plusieurs. Le truc, c'est que, donc, comme je disais, j'ai fait 6 ans de postdoc, donc j'ai changé pas mal de thématiques aussi au fur et à mesure du temps. Mm-hmm. Et donc, ma thèse était plus portée sur l'étude des matériaux. Ainsi que mon troisième postdoc, mais mes deux autres postdocs, eux, étaient plus sur de l'étude et de la manipulation de systèmes physiques pour des applications, même si c'est à long terme, plus portées vers ce qu'on appelle l'information quantique. Donc l'idée, c'était de trouver des moyens... L'information quantique. L'information quantique, voilà. L'idée, c'est de trouver des moyens pour avoir des ordinateurs comme ceux qu'on a aujourd'hui. Mais, est-ce que, oui, avant de lancer là-dessus, parce que j'avais pas vu, mais sur TikTok, il y avait une autre question sur, sur l'effet tunnel et tout, donc comme ça, on pourra finir sur ce truc-là. Donc j'avais un peu demandé, mais déjà, mais est-ce qu'il y a d'autres pistes de sondage des matériaux autres que le microscope à effet tunnel, genre un microscope quantique qui pourrait tout sonder? Qui peut tout sonder, c'est compliqué, parce que il y a toujours un outil à une utilisation, et parfois on peut la détourner un petit peu, mais généralement mm-hmm. c'est une certaine gamme d'énergie, c'est un certain type de particules, mm-hmm. etc. Donc par exemple, on a le microscope à effet tunnel, on va avoir les microscopes à transmission électronique. Mm-hmm. Des trucs que je ne suis pas très spécialiste, donc je ne vais pas rentrer dans les tests. Ok, mais voilà. Juste on peut citer... On va avoir des... j'ai toujours les sigles en tête qui se mélangent avec les noms français, donc à la fin, ça devient compliqué. Mais il y a beaucoup de sondes différentes qui existent, des sondes magnétiques, par exemple, qui peuvent exister. Mm-hmm. On peut avoir, par exemple, ce qu'on appelle des nanosquids, qui sont, pareil, des objets sur des pointes qui permettent d'aller sonder spatialement la structure magnétique des objets. Mmh. D'avoir des bonnes résolutions, pas autant que le STM, et après c'est toujours aussi les techniques ont leurs limitations de taille, ont leurs limitations d'énergie, ont leurs limitations de température, etc. Mmh. Donc c'est plus spécifique, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un anneau pour les rassembler tous, mais on peut avoir des technologies spécifiques pour chaque questionnement. Ok, bah maintenant on peut revenir à l'énergie quantique, c'était ça? Non, à l'information quantique. Ouais. Ah, donc ce sur quoi je travaille mm-hmm. et ce sur quoi j'ai travaillé pendant mes postdocs, c'est relié à la question de est-ce qu'on peut utiliser les propriétés de la matière, dans les propriétés quantiques de la matière, et en faire quelque chose d'utile pour faire du calcul. Donc type ordinateur quantique. Pour faire ordinateur quantique, exactement. Ok. Donc après, je pense que c'est quand même chose qui est quand même assez loin de nous encore, on est loin d'avoir compris vraiment comment tout fonctionne, enfin
pas comment fonctionne la mécanique quantique, ça on sait, mais comment faire pour l'utiliser et la maintenir à notre échelle. Parce que le problème, c'est que les propriétés quantiques vont faire ce qu'on appelle de la décohérence. C'est-à-dire que les propriétés d'une onde, c'est qu'elle est définie par des oscillations, par exemple, et ces oscillations sont définies par deux noms, ça va être la phase et l'amplitude. Est-ce que tu peux définir... Et la fréquence. C'est-à-dire qu'une, comment est-ce que cette oscillation se comporte? Quelle est la distance entre deux maxima et de quelle est l'origine de l'oscillation? Où est-ce qu'elle est à zéro? Voilà. Et le problème, c'est que quand on est froid, quand on est sur des objets petits, cette onde est bien définie. Mais lorsqu'on commence à regarder des objets beaucoup plus gros, comme ce que nous, on a aujourd'hui dans cette pièce, bah, c'est plus le cas. Puisqu'il y a beaucoup d'interactions avec tous les objets, les électrons, par exemple la lumière qui est émise par la lampe ici, va interagir avec tous les objets, va être réémise de manière non cohérente dans la pièce. Les électrons qui circulent dans les câbles électriques aussi sont globalement formés un courant, mais n'ont pas de propriétés vraiment quantiques, même si on peut définir tout à partir de la mécanique quantique, et après, simplement, comment on fait le crossover entre les deux. Mais par contre, on n'a pas le fait que ce soit une fonction n'intervient pas directement dans la manière dont les particules vont interagir avec nous et comment est-ce qu'elles fonctionnent par exemple dans un ordinateur. Parce qu'un ordinateur, c'est un courant, il est allumé, il est éteint, et à partir de ça, on le combine différents pour créer des processeurs, pour créer des procédures de calcul. Donc ce que tu dis, en fait, c'est genre, c'est lié au fait, enfin, genre, entre cette limite justement, entre les échelles où on a les propriétés quantiques de la matière et les échelles où nous, on voit pas, genre, comme l'effet tunnel et tout ça, et qui est due donc à cette décohérence, c'est ça. Donc au fait qu'on a tellement en gros de vagues qui superposent qu'on perd un peu la définition, enfin la netteté des vagues. C'est ça, quoi, plus la température aussi qui va jouer, puisque comme je disais, nous on travaille à très basse température justement pour se prémunir de ces effets-là. Et aussi parce qu'on écrante beaucoup nos systèmes. Par exemple, déjà on travaille dans le vide souvent, donc on pompe nos systèmes de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interaction avec d'autres particules. Donc de nous, matière. C'est genre dans les expériences de ça, physique quantique ou de physique à petite échelle. Ouais. Tout ça pour éviter d'avoir de perturbations. Et après, malgré tout, on est connecté à des sources de tension, des sources de courant qui viennent de l'extérieur, qui ont du bruit. Et donc ce bruit va venir cacher aussi les choses qu'on essaie d'aller mesurer. Donc tout ça, c'est des choses contre lesquelles on essaie de lutter. Mais en particulier, l'idée de l'information quantique, c'est de pouvoir mélanger ces fonctions d'onde qui ont des propriétés non triviales. C'est-à-dire que quand on prend deux électrons et qu'on les met ensemble, leur fonction d'onde va s'additionner et va créer des schémas d'interférence. Et c'est quelque donc chose qu'on ne peut pas retrouver. C'est ça, comme sur à travers sur les vagues, sur les clés de trous dans le panneau. Et tout ça, ça permet d'avoir des... Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, parce qu'après, même moi, ces trucs qui sont très théoriques, qui pour l'instant ne sont pas... Il y a des gens qui travaillent dessus, mais qui sont assez compliqués à vulgariser. Mais voilà, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de prémunir ces propriétés très subtiles de la matière pour les utiliser à grande échelle. Mais déjà, j'aurais une question même avant ça, encore plus basique, c'est en quoi c'est intéressant d'avoir de l'information quantique, en fait? En quoi c'est intéressant de viser des ordinateurs quantiques et tout ça, genre, c'est quoi le... Alors ça, c'est une vraie question à laquelle je ne suis pas sûr vraiment d'avoir de réponse, dans le sens où ce qu'on dit souvent, c'est qu'on va pouvoir briser les protocoles, par exemple, de cryptographie, parce qu'on pourra diviser des grands nombres extrêmement facilement grâce à la mécanique quantique. Ce qui n'a pas grand intérêt. Parce que du coup, si on ne peut pas les briser actuellement, c'est qu'ils sont solides. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais en quoi, déjà, la mécanique quantique nous aiderait à faire ça? Tu vois, très naïvement, qu'est-ce que... Oui. En quoi ça aide, en fait? Pourquoi on a besoin de s'embêter avec... L'idée qui est derrière, c'est qu'on va pouvoir jouer avec la phase des systèmes et qu'on va pouvoir... C'est pas une expression que j'aime beaucoup, mais qu'on va pouvoir calculer un peu... On va pouvoir paralléliser beaucoup les calculs en tirant profit des propriétés d'intrication, par exemple, des électrons. C'est-à-dire qu'on peut définir tout le système à partir d'une seule quantité, enfin, de quelques petites quantités, et pas de tous les propriétés individuelles des électrons, de tous leurs degrés de liberté. Et donc, à partir de là, on peut les envoyer sur différents chemins, les faire interagir avec d'autres particules, etc. Et à la fin, en fonction de l'histoire de ces particules, on les recombine, ou alors on les mesure, et suivant ce qui s'est passé, on peut aller des propositions théoriques qui disent que certains algorithmes peuvent être plus efficaces, plus rapide que ce qu'on a de manière classique. Mais est-ce que du coup ça vient du fait, là vraiment je connais rien à ça, mais est-ce que ça vient du fait aussi que tu dis sur un électron on peut avoir beaucoup d'informations, enfin sur un électron, une particule, on peut avoir beaucoup d'informations, en fait est-ce que c'est lié au fait que justement c'est pas un système qui est quelque part en endroit mais qu'il y a cette fonction d'onde, ou genre qu'est-ce qui les rend si puissants, en fait, c'est ça que... Parce qu'il rend puissant. Quel est l'avantage par rapport à juste avoir des bits de 0, 1 et de... Enfin, c'est quoi le...
Mais après, tout ça va dans le détail de comment est-ce que les calculs, comment les algorithmes sont créés, sont implémentés. Mais après, c'est vraiment la notion que la position n'est pas suffisante pour décrire une particule, qu'il y a plus de paramètres qui sont là, par exemple, sa phase particulière. Et donc, cette phase, donc ces oscillations, comme on mentionnait tout à l'heure, peuvent contenir une information. Et cette information peut être manipulée pour faire du calcul quelque part. Ok. Et Voilà. donc c'est ça un des avantages du calcul quantique, enfin je sais pas si j'ai les bons termes, c'est ça. Oui, enfin, on parle de calcul quantique pour ce genre de choses. Mais c'est des choses sur lesquelles j'en travaille beaucoup, et en particulier, les gens travaillent sur des. Donc, à la fin, ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on appelle des qubits. Voilà, donc, en français, c'est pas très joli comme mot, mais. C'est particulier. Désolé, je fais strike ta vidéo à cause de ça. Mais. Et donc, ces qubits sont l'équivalent quantique des bits qui sont utilisés dans les ordinateurs que nous, on a l'habitude d'utiliser. Voilà. Et après, la différence fondamentale, c'est vraiment quels sont les algorithmes qui sont applicables à des particules quantiques versus à juste des 0 et des 1. Ok. Et Voilà. donc c'est ça vraiment, c'est qu'on pourra faire, on pourra ou, en gros faire d'autres complètement types d'algorithmes et tout, genre sur, en théorie sur ces, En enfin, théorie, sur ces l'idée, c'est qubits. d'avoir des algorithmes beaucoup plus rapides sur certains problèmes très spécifiques. Ok. Mais après aussi, pouvoir maîtriser la matière à cette échelle-là, ça permet aussi de faire des simulateurs quantiques, de pouvoir recréer la matière quantique à plus grande échelle, pour pouvoir tester est-ce qu'on peut, par exemple, imaginer des matériaux qui ont tel comportement, telle liaison entre les atomes, etc. Mais après, c'est un champ qui est extrêmement vaste aussi. Ouais, j'imagine. Voilà. Et après, moi, je suis vraiment sur une toute petite partie très fondamentale de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser les propriétés quantiques. On y Voilà. viendra dans une minute, c'est juste pour essayer d'avoir un contexte et de comprendre le. Déjà, parce que l'information quantique, je pense que c'est un truc qui fait rêver et qu'on entend parfois et on se dit, Ouais. voilà, ouais, l'ordinateur quantique, c'est hyper stylé, mais on n'a pas forcément toute la conscience de ce que ça représente. Une autre question, c'est avec l'IA et les maths, peut-on prédire et anticiper le fonctionnement de la matière au niveau quantique? La mécanique quantique, déjà, c'est des maths, on va dire. Ouais, Donc, et ça marche et ça plutôt me, bien, je quoi, ou crois que c'est. c'est. Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je suis pas sûr qu'il y ait une seule expérience vraiment qui remette en cause la mécanique quantique. Tout a l'air de marcher parfaitement. Après, il y a des choses qu'on ne comprend pas parce qu'on ne peut pas le calculer proprement. Parce que quand on va avoir beaucoup de particules, bah, l'espace de paramètres qu'il faut gérer pour définir et pour décrire le système devient extrêmement large, et juste l'espace que ça demande est beaucoup trop grand. D'un point de vue de mémoire, par exemple, des ordinateurs. Ou même juste à la main, bon courage pour décrire plus de trois particules. Déjà en mécanique Ouais. classique, c'est pas possible. Et oui. Donc voilà. Donc c'est Mais. purement technique, mais en tout cas, on a le formalisme qui nous permet de comprendre. Oui. C'est juste que peut-être il y a aussi ce truc qu'en fait, vu qu'il y a ces fonctions d'onde, et ben, il y a un aspect probabiliste qui rentre dans la description et qui est un peu différent. Donc on peut prédire juste des probabilités en fait, en quelque sorte. En quelque sorte, après, ça va dépendre. Quand on est en physique mésoscopique, après, ce qu'on va s'intéresser, ça va être des courants. Et ça va être des tensions. Et ça reste des propriétés justement, qui ne sont pas macroscopiques, mais qui sont liées à plusieurs électrons à la fois. Qui simplifient un peu la description quelque part. Parce qu'on peut définir en moyenne quel va être le courant qui va être émis, quel va être le bruit associé, quelles vont être les fluctuations de ce courant. Et tout ça contient aussi l'information sur les propriétés intrinsèques de la matière. Ouais, donc c'est là-dedans qu'après on va aller fouiller, gratter un petit peu où est-ce qu'on peut trouver des choses qui nous renseignent sur comment ça se comporte, et qu'est-ce qui est intéressant. À niveau vraiment quantique. Ok. On a une petite remarque, et ça serait drôle qu'un humoriste se penche sur le sujet des qubits. C'est sûr que ça doit exister quelque part de l'humour de physicien et des Je gens pense que qui ont l'humour de fait physicien, derrière vous ça. voulez pas entendre parler de ça. C'est, enfin, vous voulez pas en entendre trop. C'est cringe. On a une autre question, c'est justement, est-ce qu'on est sûr que les maths peuvent décrire la quantique? Il y a beaucoup de gens qui doutent aujourd'hui, hein, genre la Là, quantique, c'est. vraiment, c'est. Qu'on monte en quoi ça peut pas la décrire. Enfin, c'est une théorie Ouais. mathématique à la base. Oui, et Une puis. théorie, elle fait des prédictions. Est-ce que la réalité se conforme aux prédictions, oui ou non? Après, c'est un peu la même idée que la chimie est construite à partir de bases physiques, et la biologie est construite à partir de bases chimiques, et la sociologie est construite à partir de bases biologiques quelque part. Donc c'est un peu, on essaie d'avoir des degrés de compréhension de plus en plus fins. Et donc, quelque part, en physique microscopique, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un peu ce degré entre. Pas la chimie, parce que ça part un petit peu de biais quand même, mais d'essayer de prendre. Ok, on prend plusieurs atomes ensemble, on les met dans certaines configurations, et comment on peut définir et contrôler et maîtriser cet ensemble d'atomes pour en faire quelque chose après. Et pour ça, quelque part, il y a toujours des approximations qui sont faites. Parce qu'on ne peut pas, pareil, quand on parle de physique statistique, on dit, ok, on ne peut pas décrire la position de chaque particule dans un litre d'eau, donc on va décrire globalement les propriétés qui vont être la température, la densité, etc. Donc c'est une question de quel maillage on va utiliser pour décrire le système qui nous intéresse. Oui, et ça ne veut pas dire que parce qu'on définit les, enfin, on étudie les choses de manière statistique, que genre on comprend pas ce qui se passe, mais C'est c'est juste ça. que parfois on a trop de particules et ça a plus de sens de prendre ça en grand, quoi. Et juste pour aussi, enfin, rebondir un peu là-dessus, c'est que, enfin,
beaucoup de théories physiques sont comme ça, en fait, hein, où on a des prédictions, on a des expériences qui les... Enfin, tout marche très bien, mais on saura jamais, enfin, quelque part... C'est une question plus philosophique, hein, de savoir si, genre, nos théories décrivent bien la nature ou pas, quoi. Je crois que c'était le sujet que j'ai eu au bac en philosophie, c'est peut-on tout démontrer Et ça, la réponse est non, voilà. C'est ta réponse. Non, c'est le théorème de Gödel, on ne peut pas tout démontrer. Ah, il y a un vrai théorème mathématique. Ouais. Donc voilà, écoutez, mais en tout cas, ça marche extrêmement bien quand même, la physique, a priori, la physique quantique, voilà. C'est très... Après, la question, c'est à quel point on arrive à avoir une connexion entre la réalité et ce qu'on décrit mathématiquement, parce qu'à la fin, nous, ce qu'on manipule, c'est des objets mathématiques, et ce qu'on observe, c'est des choses physiques. Donc à un moment, il faut pouvoir... On met des chiffres sur des objets, et on a toujours une précision qui est limitée, on a toujours une résolution qui est finie, et puis voilà. Donc on va revenir un peu à ton sujet à toi là. Il y a des questions, mais bon, un peu plus générales, lumière, onde ou particules ou les deux. Ça c'est on dirait Burger Quiz, ouais, c'est ça. Je suis normand, donc c'est les deux un peu. Oui, de toute façon, je pense qu'on peut on peut se dire ça. La frontière de la quantique peut-elle être un truc du genre supra méta mathématique? Je suis pas sûr de comprendre la question. Ouais. N'hésitez pas à développer un peu plus la question parce que c'est pas hyper clair. Et puis ouais, je pense que on est bien. Donc on peut revenir à l'information quantique et à donc ce que toi tu fais plus précisément peut-être pour rentrer en alors détail, ok. Donc ce que je disais, c'est qu'on a des problèmes de décohérence avec la mécanique quantique, c'est-à-dire qu'on perd les propriétés intrinsèques de la mécanique quantique quand on passe à grande échelle. Ok, donc ça, et grande échelle, c'est... C'est-à-dire que quand on... Enfin, grande échelle, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir l'interaction avec l'environnement, avec d'autres systèmes à côté, avec, je sais pas, d'autres processeurs à côté du processeur qui nous intéresse, ou alors d'autres bits qui sont connectés les uns avec les autres. Mais donc, c'est même pas à notre échelle humaine, quoi. C'est non, déjà, non, c'est déjà même à petite échelle, ça pose des problèmes. Ouais. Et donc, ces propriétés de décohérence sont problématiques, puisque ça crée des erreurs sur les calculs qui peuvent être faits avec des qubits, et ces erreurs se propagent. C'est-à-dire que quand on fait une erreur, puis qui peut être 1%, donc on a 99% de fiabilité, ou même plus, mais le problème, c'est que sur 1%, plus 1%, plus 1%, s'accumule, et à la fin, donne des résultats qui n'ont plus aucun sens. Mais par contre, vous arrivez quand même à créer ces qubits. Alors, du coup, c'est j'y viens, mais moi, coup, nous, l'idée, c'est de trouver une voie alternative qui permet en fait de protéger les systèmes contre cette décohérence. Et donc ça, c'est le domaine qu'on va appeler de physique topologique. Ok. Voilà. Et donc en particulier, moi ce que je travaille sur un système qui s'appelle les systèmes à effet Hall, quantique. Et donc le principe de la physique topologique, c'est quelque part de pouvoir encoder l'information de manière robuste, un peu de la même manière qu'un nœud est différent de deux fils qui sont éloignés les uns des autres. Et donc on peut encoder l'information quelque part là-dedans. Donc c'est-à-dire que si on fait un lacet, c'est pas la même chose que de pas le faire. Quelque part, on peut pas déformer continuement le lacet en deux fils, enfin en tout cas si on, il y a différentes propriétés, etc. On peut par exemple penser au ruban de Möbius. On peut pas déformer continuellement un ruban de Möbius en simplement un bandeau. Donc un ruban de Möbius, c'est un bandeau dans lequel on a rajouté un tour et qu'on a recollé sur lui-même. Ouais. Et donc si on suit le bord, en fait, on a une seule surface qui est définie. Alors que si on a un bandeau, on a deux surfaces. On a l'intérieur et l'extérieur. L'expérience chez vous, hein, prenez un petit truc, vous faites une torsion et vous verrez que vous pouvez parcourir sans jamais vous décoller toutes les surfaces. Ouais. Et donc il y a un équivalent, mathématique en fait, dans la physique des matériaux, qui fait qu'on peut définir des propriétés topologiques de la matière de façon à encoder, enfin pas à encoder, mais à se prémunir des fluctuations. Donc ça permet de définir des choses qui vont être très très stables, et en particulier dans le cas de l'effet Hall. Ça permet de définir des constantes des systèmes qui sont reliées à des constantes de la physique et à rien d'autre. En particulier des mesures de conductance et de résistance, où on va avoir, donc, juste pour décrire le système, en fait, ça va être des systèmes d'électrons à deux dimensions. Donc on bloque, on piège les électrons à deux dimensions sur des échantillons qui vont faire quelques millimètres de taille caractéristique. Et lorsqu'on mesure les courants qui passent dans ces matériaux et qu'on applique un champ magnétique, les électrons vont se comporter d'une manière très spécifique. Et donc, plus on va monter en champ magnétique, plus les électrons... Donc, on met un champ magnétique sur une particule chargée, elle va tourner. Voilà, donc ça, c'est la physique classique. C'est ce qu'on appelle la force de Lorentz. Un électron, ça tourne dans un champ magnétique. Ouais. Maintenant, si on est à deux dimensions, les électrons, ils vont tourner sur eux. Et si on met un champ trop fort, en fait, ils vont rester bloqués dans leur trajectoire. Ils ne vont pas pouvoir contribuer à un courant global sur le matériau.
Ok. Par contre, si on regarde les bords d'échantillon maintenant, ces électrons en fait vont tourner. Je ne sais pas si on voit pas très, bien. Mais... c'est vrai que tu montres à moi alors que. Donc les électrons, mettons qu'on ait ici le bord de l'échantillon. Les électrons en fait, au lieu de tourner, vont rebondir sur le bord de l'échantillon petit à petit. Ok. Et en fait, en faisant ça, on va avoir apparition de ce qu'on appelle des canaux de bord dans nos échantillons. Et ces canaux de bord ont ce qu'on appelle une conductance qui est quantifiée. Donc c'est-à-dire que le nombre d'électrons qui peut passer par une unité de temps est le multiple entier d'un certain nombre. Et ce nombre... Attends. Ça va trop vite, désolé. Attends, ouais. faut reprendre. Parce que déjà, je pense que là où je me suis perdue, c'est... vous définissez... En fait, vous essayez de trouver un système qui garde le plus possible genre des propriétés quantiques. Ouais. Alors, bah justement, parce que la naissance, l'apparition de ces canaux est directement liée aux propriétés quantiques de la matière. Ok. Si on avait des électrons normaux, ça marcherait pas. Enfin, si on avait des balles ou des choses comme ça, ça marcherait pas. En gros, donc l'idée, arrête-moi dès que je me trompe, c'est trouver un espèce d'objet, donc un système qui est pas genre une particule, mais qui est donc à une échelle mésoscopique, j'imagine, et qui aurait quand même certaines propriétés quantiques qui seraient pas diluées dans tous ces bruits de décohérence, en fait. À la fin. Après, c'est un ensemble de trucs, je vais essayer de détailler les trucs petit à petit. Okay. Mais du coup, ça, c'est le matériau de base. Donc, ce matériau de base, quand on met un champ magnétique, on a l'apparition de canaux de bord. Donc, le courant. Donc, c'est un espèce de quoi? C'est un espèce de carré comme on peut imaginer un carré dans lequel le courant passe uniquement sur le bord et pas du tout au milieu. Ok, un carré très plat d'électrons. Très plat, voilà. Okay. Alors que par exemple, si tu prends un fil électrique, le courant passe dans tout le fil. Ouais, t'as des électrons qui se déplacent au milieu, sur les bords, etc. Ok, ouais. Et à trois dimensions, parce que le fil, il a une troisième dimension. Maintenant, sur ces systèmes-là, donc ces systèmes d'effet Hall quantiques, les électrons se déplacent uniquement sur les bords. Et le courant associé est un multiple de E carré, la charge de l'électron au carré, sur la constante de Planck H. Et donc le courant, c'est un peu c'est la mesure des électrons. C'est ça, c'est le nombre d'électrons qui passent par unité de temps. Et en fait, le nombre de canaux va être quantifié. Donc on peut avoir 1, 2, 3, 4 canaux, etc. etc. Okay. Jusqu'à arriver à un continuum où à la fin on retrouve le cas classique où on a de la conduction dans le volume du matériau. Okay. Voilà. Et donc, à la fin, on peut aussi descendre jusqu'à un seul canal. Et dans ce cas-là, on a vraiment une certaine quantité, donc un quantum de conductance qui passe dans ces fils en fait qui vont être sur le bord d'échantillon. Et donc en fait on va avoir un bord qui va dans un sens et l'autre bord qui va dans l'autre sens, parce que du coup comme ça tourne, on a quelque chose qu'on dit chiral, donc c'est-à-dire qu'il y a une direction privilégiée, et donc on va avoir une rotation qui va dépendre du sens du champ magnétique qui est appliqué sur le système. Donc en gros t'as ton carré genre avec disons une couche d'électrons et genre rien ne bouge vraiment sauf sur les bords. Exactement. Un canal, du coup, une couche d'électrons. Tu peux contrôler en jouant avec le champ magnétique. Ouais, t'arrives à juste avoir seulement la première limite d'électrons qui bougent. C'est quoi. Ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on continue à monter le champ, on va voir ce qu'on appelle là l'effet Hall quantique fractionnaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des électrons qui vont être les éléments constitutifs du courant, en fait, on va avoir des fractions d'électrons. Et ça, c'est quelque chose qui normalement n'existe pas en physique normale quand on parle de physique d'accélérateur, tout ça. Un électron, c'est un électron, on peut pas le casser. Un proton, c'est quoi? C'est trois quarks, et puis voilà, on peut pas redescendre en dessous. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est quand on parle de physique des matériaux, on parle plus vraiment de particules, on parle de quasi-particules, parce que l'électron est pas isolé. Il est quelque part, il vient d'un atome, et cet atome a son propre champ électrique, son propre champ magnétique, et tout ça. Et toutes ces interactions vont qu'il va être ce qu'on appelle habillé. Donc il est... Oui. Je ne m'attendais pas à ce mot Au moins, ils sont habillés, ils sont propres, tout ça, on peut les sortir en société. Ça. Mais du coup, ces électrons habillés vont se comporter de manière différente. En particulier, quand on commence à augmenter le champ, ils vont se combiner avec le champ magnétique de façon à pouvoir créer ces fractions d'électrons, qui sont les particules qui vont nous intéresser, nous, et qu'on va étudier justement au travers de Bayer-Tunnel. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller étudier le courant associé au déplacement de ces fractions d'électrons ou de ces électrons par canaux. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est les faire passer à travers une barrière. Mais juste de faire passer des bouts d'électrons alors Ok. C'est ça. Mais je n'arrive pas à voir comment tu peux faire passer un bout d'électron et qu'est-ce que ça veut dire Alors, c'est un peu la difficulté. C'est justement, un peu comme une mécanique quantique, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. On peut pas couper des électrons normalement. Et là, c'est vraiment juste parce que la notion d'électron nu par opposition à habillé n'existe pas vraiment dans les matériaux. Donc en fait, ces excitations, parce que nous, c'est ce qu'on va mesurer, ça va être des excitations. Ces excitations de la matière vont avoir une charge qui va être la tiers de la charge de l'électron. Ok. Voilà. Et en plus de ça, vont avoir des propriétés qui sont des propriétés de...
se rentrer dans un truc très technique, mais des propriétés d'échange, où par exemple, quand on prend deux particules et qu'on les échange l'une avec l'autre, normalement, il ne se passe rien. Parce que ça rajoute un terme de phase, donc c'est-à-dire que la fonction d'onde qui décrit le système, elle bouge pas, ou alors à un signe plus ou moins près. Ok. Voilà. Et là, j'avoue, tu m'as un peu perdu. Ouais, sur juste rapidement, mais l'idée, c'est que ces particules qui vont être des particules fractionnaires ont un comportement qui est différent. Et c'est nous, c'est ça qu'on veut essayer d'aller étudier. Parce que l'idée, c'est que si on prend des particules qu'on les échange, c'est un effet sur la fonction d'onde du système qu'on peut mesurer. La fonction d'onde globale. La fonction d'onde globale du système, voilà. Mm-hmm. Et si on peut mesurer ça, c'est-à-dire qu'on peut en fait encoder l'information à travers cette phase. Donc on peut utiliser ces fractions d'électrons pour faire de l'information quantique et pour pouvoir les manipuler, enfin, ce qu'on appelle du tressage. C'est-à-dire qu'on va faire comme une tresse, on va manipuler dans le temps les trajectoires des électrons, les faire passer d'un côté ou de l'autre. Les échanger spatialement vont avoir une influence sur la phase du système, donc sur comment est-ce que ces oscillations sont décalées par rapport à une origine donnée. Mmh. Et ce décalage va avoir un effet qui est mesurable physiquement. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces particules-là pour faire de l'information quantique. Et l'intérêt, justement, c'est là que je reviens sur la partie topologique et la partie lutte contre la décohérence. C'est-à-dire que ces particules-là, normalement, comme ils sont définis uniquement par des constantes physiques fondamentales, elles sont extrêmement résistantes aux perturbations extérieures. Mmh. C'est-à-dire que pour détruire l'état quantique qui est associé à l'existence de ces fractions d'électrons, normalement, c'est censé être assez compliqué et demander beaucoup d'énergie. Donc, normalement, c'est censé être assez stable et suffisamment stable pour pouvoir être appliqué après dans les protocoles de calcul quantique sans avoir besoin de corriger les erreurs qui s'accumulent au travers de multiples étapes de calcul. Voilà. Okay. Ouf. C'est bon. Les gens sont sous le choc sur tous les réseaux et ils font « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Non, enfin, de toute façon, je pense qu'on va résumer un peu en quelques mots plus, peut-être plus généraux. Ouais, et je reprends un peu les... C'est aussi pour juste donner un peu de vocabulaire que les gens aient eu. Oui. C'est pas grave si de pas tout comprendre. Oui, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire que j'ai pas fait non plus 8 ans d'études pour que n'importe qui puisse comprendre ce que je fais. Ça sera un peu décevant. On nous dit c'est très théorique tout ça, avec un tableau ça aiderait. Oui, on voudrait mettre un tableau mais on n'a pas de tableau. Vous êtes combien sur Terre à vous comprendre, entre 10 et 100? C'est une vraie question. Vous êtes combien spécialiste sur ce... C'est une bonne question et c'est dur à définir parce que les domaines sont un peu fluides tout ça, mais je dirais que rien qu'en France il y a plusieurs centaines de personnes qui travaillent sur les domaines précis de ça ou des domaines assez connexes et qui connaissent ça. Mm-hmm, après, okay. Dans le monde, du coup, ça fait plusieurs milliers de personnes. Ouais, donc c'est pas si niche non plus. Hein. Non, c'est... Surtout, je pense qu'en fait, ordinateur quantique, là ça a l'air très théorique, mais vu qu'il y a une vraie envie, peut-être pas le bon terme, en tout cas, une vraie peut-être possibilité ou idée de rendre ça genre un truc plus appliqué, en fait, et ben, je pense que ça crée aussi une envie de recherche fondamentale pour Et même, il y a beaucoup d'entreprises qui investissent là-dedans. Et oui. Moi, quand je travaillais donc, au Danemark, j'étais financé en partie par Microsoft, qui investissait du coup dans d'autres systèmes topologiques. Encore, je ne vais pas non plus entrer dans le détail, sinon je vais complètement perdre les gens. Ouais. Mais voilà, c'est réussir à trouver des voies alternatives pour faire du calcul quantique, c'est quelque chose qui est très intéressant, mm-hmm. déjà fondamentalement, et après même au niveau des applications. Ouais, voilà. Mon travail est très très fondamental, mm-hmm. et j'ai aucun espoir que directement j'ai soit amené à travailler sur le développement d'un processeur quantique, puisque c'est pas mon travail. Ça peut sembler très proche au final, vu de loin, mais c'est un peu le problème de spécialisation de la science aussi maintenant, c'est que chacun est parti dans des directions très très spécifiques, très très pointues, qui du coup rendent un peu compliqué la vulgarisation parfois. Oui. Mais voilà. Et puis bon, la recherche fondamentale a pas but à directement être appliquée forcément, quoi. Donc c'est juste. Bon, en tout cas, t'as aussi des j'aime beaucoup, j'aime ne pas tout comprendre. Donc voilà, il y a de tout. Mais du coup, juste pour essayer de reprendre ça de manière un peu, tu vois, très très générale, mais juste pour expliquer en quelques phrases, un peu plus de manière beaucoup plus survolante, quoi, en gros, ce que tu dis. Mais c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, quoi, c'est qu'en fait le problème, donc interromps-moi ou reprends la parole dès que tu veux, mais genre je vais voir si déjà moi j'ai compris quelques trucs. Donc le problème de base, c'est que on n'arrive pas à garder les propriétés quantiques de la matière dès qu'on est à des échelles un peu trop grandes. Enfin, un peu trop grande, c'est pas très grande non plus. Ou alors qu'il y a différents trucs qui vont interagir, enfin, dès qu'on est dans un truc pas complètement contrôlé. En gros, c'est lié un peu à la question qui s'est posée tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut définir le système avec des maths ?
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on prend en compte dans notre modèle mathématique? Est-ce qu'on prend en compte toutes les perturbations extérieures? Et voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir se séparer le maximum des perturbations extérieures pour avoir le système le plus simple possible qu'on arrive à comprendre, qu'on arrive à poser en équation. Et que même s'il est composé d'un quand même grand nombre de particules, et ben au final, ses propriétés vont faire que tu peux le décrire avec un modèle mathématique quantique plus simple peut-être et plus, comment dire, insensible, enfin stable par rapport aux perturbations extérieures, quoi, c'est ça? C'est ça. Ok, et donc parce que voilà, peut-être un jour c'est lié en tout cas à la question de comment transmettre de l'énergie quantiquement. Et pour reprendre du coup plus en détail ta machine. L'information. De l'information. Qu'est-ce que j'ai à chaque fois? De l'énergie énergie. Quantique. Ouais, désolé, je pense à l'information. Et donc ton système à toi que tu regardes, c'est genre cette très fine couche d'électrons sous forme, j'imagine, une petite pastille comme ça. En fait, c'est ce qu'on appelle des wafers. Donc c'est des galettes, un peu comme des galettes de silicium qu'on va avoir par exemple quand les gens qui font des processeurs. Sauf que nous, c'est à base d'arsenure de gallium, donc c'est du gallium, de l'arsenic en cristal, et par-dessus c'est aluminium, gallium, arsenic, et en gros ce qu'on fait c'est qu'on piège les électrons parce que les matériaux n'ont pas les mêmes comportements, et donc on les empêche de pouvoir rentrer dans l'un ou dans l'autre qui vont être isolants, et on a uniquement de la conduction sur cette fine couche à l'interface entre les deux. Et ça fait quelle taille ce petit truc c'est... La galette complète Enfin, juste même en... Bah, les électrons en gros sont confinés sur une échelle qui va être de l'ordre de 10 nanomètres, donc ça fait 10 puissance moins 9 mètres. Ok, et après genre en plus sur les autres dimensions, enfin sur les dimensions qui existent. Et après ça va dépendre, c'est-à-dire que typiquement c'est l'échantillon sur lequel je travaille, moi on va être sur des échelles du micron, donc 10.6 mètres. C'est-à-dire avoir une zone d'intérêt sur laquelle on va pouvoir manipuler le comportement et le passage des électrons, qui est typiquement de l'ordre du micron. Voilà. Et c'est un peu l'échelle caractéristique de la physique microscopique, le micron c'est... Le micron, est-ce que c'est la taille d'un cheveu ou non? Alors, j'ai pas mesuré mes cheveux récemment, mais, le cheveu est un peu plus gros que ça. Un petit peu, il me semble. Parce que tu sais, parfois on dit, j'ai pas les ordres de grandeur en tête, mais pour raccrocher, on peut savoir que. Il me semble qu'un cheveu c'est peut-être 100 microns, quelque chose comme ça. 100 microns, ouais. Ok. Bah, donc un centième de cheveu, on va dire, en tout cas, ou un truc, l'ordre de grandeur, c'est ça en tout cas. Donc ça, c'est la taille de tes petits carrés comme ça avec, c'est la taille de la zone effective. Après, ce qu'on a besoin, c'est de venir. Parce qu'à la fin, ce qu'on va mesurer, c'est assez bête, c'est des courants en appliquant des tensions, et on mesure des tensions en appliquant des courants. Donc on a un peu des électriciens, mais qui regardent des tout petits fils électriques. et donc, à la fin, on a besoin de venir se connecter physiquement sur nos échantillons. Donc au final, l'échantillon lui-même fait plutôt de l'ordre de 3 par 3 mm ou 1 cm par 1 cm pour les plus gros. Et à partir de là, on vient se connecter, on fait de la micro-soudure via un porte-échantillon. Voilà. Et ce porte-échantillon, après, est connecté avec tout un tas de fils qui remontent de la zone froide, donc dans un frigo à dilution, qui remonte vers l'extérieur, et après tout ça est connecté, tout un tas d'appareils de mesure qui vont être quelque part des voltmètres plus et des ampèremètres plus pour pouvoir mesurer les propriétés de notre système. Avec tout un étage d'amplification sur le chemin aussi, parce que c'est des tout petits signaux. Voilà, donc il y a beaucoup d'étapes aussi d'optimisation du signal dans le travail. Donc vous êtes des micro-électroniciens. Ouais, on parle d'électronique quantique justement. J'ai quelques questions un peu plus générales avant de passer à la suite. Donc déjà... une question qu'il y a eu plusieurs fois là, lumière est une particule qui frappe la matière et se fragmente pour créer une onde. Donc ça, c'était vraiment sur les bases de la mécanique quantique, mais juste pour revoir, est-ce que ça fonctionne comme ça ou... Ça peut être vu comme ça. Enfin, la manière la plus simple, on va dire, de voir, c'est par exemple si on a un atome isolé, on va toujours aller regarder quelque part l'électron le plus à l'extérieur, donc de plus haute énergie. Et mettons qu'on prenne par exemple un atome d'hydrogène. Là, il n'y a qu'un seul électron, on ne se casse pas les pieds. Donc l'électron, à la base, est dans son niveau de plus basse énergie. Et s'il reçoit un photon, donc une particule de lumière dont l'énergie correspond exactement à la différence d'énergie avec le niveau supérieur, alors le système va changer, l'électron va sauter sur l'orbite de plus haute énergie. Voilà, donc on peut transférer, comme ça, on peut transformer la lumière en énergie. Et c'est un peu aussi tout le concept des gens qui ont sûrement vu ces dessins de diagrammes de Feynman où on dessine des trajectoires d'électrons qui ont fusionné pour former des photons. Un électron, un anti-électron fusionne pour former des photons et tout ça. Mais ça va dépendre aussi de tout un tas de lois de conservation qui disent qu'on ne peut pas faire disparaître la charge comme ça. C'est pour ça qu'il faut un électron et un anti-électron. Et c'est pour ça qu'après, on peut avoir des neutrons qui n'ont pas de charge, etc. Mais ça vient de la physique des particules. Okay. Voilà. Et après, par contre, la lumière, elle, c'est quelque chose que nous, on utilise pas mal, dans le sens où on va utiliser des excitations dans la gamme radiofréquence. Donc, en fait, c'est de la lumière dans la gamme du gigahertz, terahertz. Donc, très, très énergétique. C'est toujours très, ça dépend, c'est un peu c'est, voilà. Par rapport à ce qu'on regarde, c'est plus petit que les gaps, voilà, que les énergies caractéristiques du système pour changer d'état.
Et donc, du coup, on va pouvoir aller exciter notre système avec ces excitations-là pour le faire changer d'état, pour exciter des particules qui vont se déplacer, qu'on peut après récupérer et voir combien sont passées à travers une barrière tunnel, etc. Et faire des corrélations entre les courants, entre les tensions, et avoir des réductions temporelles très petites aussi. Donc, typiquement, on va travailler sur des échelles qui vont être de la picoseconde. Et c'est des résolutions qu'on peut avoir Pico, aujourd'hui. C'est 10-12, donc c'est vraiment... Ouais. Ouais. Donc le photon chauffe la matière et crée la lumière. Ça, c'est des... Alors quand on parle de chauffage, ça veut dire qu'on dissipe l'énergie. Là, ouais. C'est pas vraiment le cas. On donne de l'énergie de manière cohérente. Mm-hmm. Et donc, si on parlait de chauffage, c'est-à-dire que le photon dissiperait son énergie de manière globale un peu partout sur l'échantillon. Mm-hmm. Si on parle là vraiment de l'absorption d'un photon par un atome, c'est vraiment que son énergie est complètement convertie via la transition d'un électron d'un état de basse énergie vers un état de plus haute énergie. Mm-hmm. Et de la même manière, après, l'électron, s'il décide de se désexciter, il va émettre un photon en retour, parce que l'énergie, c'est un peu la monnaie de l'univers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire disparaître. Donc, ce n'est pas du tout la monnaie de l'univers, du coup, parce que la monnaie, c'est n'importe quoi. mais voilà, dans un jeu de Monopoly, ça serait comme ça. Mm-hmm. On ne triche pas. D'autres questions un peu générales. Est-ce qu'il y a un livre pour comprendre la quantique? Est-ce qu'il y a un truc que tu recommanderais déjà pour avoir les bases, je pense Alors, il y a des livres qui sont peut-être un peu spécialisés, mais que moi, j'aime bien, que j'ai lu quand j'étais en fin de lycée, qui sont les cours de physique de Feynman, qui sont de la physique, mais sans trop d'équations. Mm-hmm. Voilà, et qui décrit de manière assez bien les étapes, déjà un peu historiques, de la mécanique quantique. Parce que c'est toutes les étapes avec Niels Bohr, avec Feynman, c'est plus tard, mais avec Heisenberg, avec, tout ça. Encore plein de tous les gens qui sont... Ouais, ils sont en Oppenheimer aussi, tous. mais voilà, du coup, c'est un livre qui est assez intéressant. Il y a les versions, complètes et il y a les versions aussi abrégées qui reprennent vraiment que les concepts. Voilà, après, bon, c'est un style et c'est pas forcément le plus facile non plus. Mais après, je sais qu'il y a la mécanique quantique expliquer à des bébés qui existent aussi, des petits livres pour enfants. Ah oui, ça j'ai vu, mais c'est ça, il y a toute une série, il y a tout, il y a la réalité générale, il y a genre le... Voilà, mais de manière générale, il y a aussi beaucoup de vidéos de vulgarisation sur YouTube pour la mécanique quantique. Je pense aux vidéos de David Loire pour des sciences étonnantes qui sont aussi vachement bien faites, qui sont un peu techniques aussi par certains aspects, mais c'est pas difficile de trouver de la ressource sur le sujet. Oui, c'est vrai. Une autre question, donc quelqu'un qui a raté le début et qui demande où est-ce que tu étudies, cherches, tu peux redire en deux mots. Donc moi je travaille à l'ENS. Attends, le live s'est arrêté. Sur TikTok. Ouais, j'ai perdu le live. Attendez-nous, vas-y, raconte des choses. entre d'autres choses. Parce que la question était sur TikTok, j'imagine, donc attendre que TikTok revienne. Donc au final, ce que je disais, c'est que... On est des électriciens, on va mesurer des courants en fonction de tensions qui sont appliquées, etc. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que, encore une fois, il y a les perturbations extérieures qui jouent un rôle, donc il y a le bruit qui va jouer un rôle. Et donc la difficulté, souvent, c'est aussi de réussir à sortir des informations de ce bruit. Donc le travail, c'est d'une part de réussir à avoir ce signal, et même une fois qu'on a le signal, réussir à l'extraire, parfois juste numériquement, en traitant les données. Donc c'est un travail qui demande aussi beaucoup de travail d'analyse. J'essaie de ne pas t'étouffer en live sur internet. Au moins ma fin sera documentée, tout le monde. C'est ça, on saura que c'est pas moi. C'est ça. Désolé pour cette petite pause, c'est toujours les problèmes techniques. Hein. Si jamais les gens sur TikTok reviennent, n'hésitez pas à remettre vos questions parce qu'on a perdu le live et du coup ça a tout reset, c'est pas en continu. Donc. On reviendra aux questions si jamais les gens reviennent. excusez-moi, ça m'a perturbé cette histoire. En plus, j'ai même pas du coup écouté ce que tu as dit là sur les derniers trucs parce que j'étais... Non, je disais que du coup, dans le travail de chercheur, on a toute cette partie mesure. Mm-hmm. Mais une fois qu'on a mesuré quelque chose, il faut réussir à ressortir le signal de tout ce fratras de données qu'on a pu accumuler. Mm-hmm. Donc il y a une grosse partie aussi qui va être du traitement de données et essayer de faire sens de signaux qui sont pas forcément qui n'ont pas sens en soi, parce que si on reçoit juste un courant et qu'on ne sait pas ce qu'on en fait, c'est un peu compliqué. Donc il faut avoir une bonne compréhension déjà du système, savoir comment les différents éléments du système qu'on manipule, quels vont être leurs effets, est-ce qu'on va ouvrir des barrières, est-ce qu'on va fermer des barrières, est-ce qu'on va augmenter des distances de parcours, des temps de vol, etc. Voilà, donc il y a beaucoup de réflexion qui est menée à la fois avant la prise de données pour pas prendre des données pour rien, mais aussi après sur dire ok, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Il y a toute la réflexion aussi, discuter beaucoup avec des théoriciens, parce que moi je suis purement expérimentateur, mais ça n'empêche pas qu'on discute beaucoup avec les théoriciens pour essayer d'avoir
une compréhension plus fine de ce qui se passe. Même on a beau avoir les équations de base à mécanique quantique, ouais, il faut qu'on puisse décrire notre système de manière plus effective, de manière applicable et utilisable dans notre vie de chercheur de tous les jours. Oui. Donc voilà. Et après, c'est ça que nous, on va publier. C'est OK, sachant qu'on a mesuré ça dans tel échantillon, sachant qu'on peut décrire le système de telle manière, est-ce que ça colle, est-ce que ça colle pas avec la manière de le faire ? C'est une manière de discriminer, est-ce que d'une part, est-ce que la théorie est correcte ? Est-ce que nos expériences ont du sens ou est-ce que juste nos expériences ont pas de sens ? Donc, sachant que ce qu'on publie à la fin, souvent, c'est plutôt des résultats positifs. C'est assez rare de publier des résultats négatifs. Des trucs qui marchent pas, quoi. Ouais. Ce qui est un peu dommage, parce que c'est intéressant aussi pour d'autres qui peuvent mesurer la même chose, qui ne comprennent pas d'où ça vient, mais qui pourraient tirer le bénéfice de ce genre de choses. On a des gens qui sont de retour aussi, donc la réponse, si tu peux redemander, ouais, si tu veux reposer, donc c'était où est-ce que tu fais ta recherche ? Moi, je travaille à l'ENS à Paris, donc le laboratoire de physique de l'ENS. Je suis dans le groupe de Gwendal Fèvre. Voilà, donc c'est l'équipe physique mésoscopique du laboratoire de physique de l'ENS à l'ENS à Paris. Ok, et si vous voulez voir le début du live, tout est en replay sur YouTube Space Apéro, donc n'hésitez pas à voir le début. Et pour ajouter une couche de complexité encore, je suis chercheur CNRS. Et oui. Voilà, donc les sigles aussi en physique et même de manière générale en recherche. Tout est intriqué. Et il y avait une autre question dont je me rappelais qui était intéressante avant que ça coupe. C'était, est-ce que, enfin, je sais plus exactement comment c'était formulé, mais en gros, vers où, enfin, est-ce que vous avancez bien, enfin, tu vois, genre, est-ce que, enfin, comment ça progresse ce domaine, genre, à toi en particulier, je pense aussi globalement de la... Bah, du coup, je vais revenir sur ces histoires de fractions d'électrons, par exemple. Donc, c'est un effet physique, donc à la base, ce qu'on a mesuré, c'est des fractions de ce courant quantifié, donc ce ratio de la charge d'électrons au carré sur H, sur la constante de Planck. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mesuré fin des années 80, si je dis pas de bêtises, je suis assez mauvais en date. Et assez rapidement, les gens ont pu mesurer qu'effectivement, la charge associée à ces quantifications était bien des charges fractionnaires. Par contre, la question qui était restée ouverte assez longtemps, c'était est-ce qu'on a aussi des fractionnalisations de la phase ? Est-ce qu'on a ces propriétés de phase, du coup, fractionnaire ? Est-ce qu'on peut le mesurer ? Est-ce qu'on peut l'utiliser ? Parce que c'est ça qui est intéressant à la fin quand on veut faire des applications réelles de ces objets-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez récent. C'est quelque chose qui a été du coup découvert qui a été montré pour la première fois dans mon groupe, mais avant que j'arrive, donc dommage. Mais qui a été du coup démontré pour la première fois en 2020. Tu seras pas sur le prix Nobel du coup. Non, mais c'est pas très grave, je ferai les tours du labo, les visites. Donc en 2020, donc il y a à la fois la manip de l'ENS et une manip de, j'ai oublié leur laboratoire, mais du groupe de Michael Manfra aux États-Unis, à Purdue aux États-Unis, qui ont montré la même chose dans un système un peu différent, donc un autre type de technique, et les deux papiers sont sortis il y a quelques mois d'intervalle. Et les deux équipes coopéraient pas, quoi ? Non, pas vraiment. Après, c'est des choses sur lesquelles les gens travaillent depuis assez longtemps. C'est vraiment une question qui est très importante pour pouvoir utiliser ces propriétés topologiques de la matière dans des systèmes de qubits. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent encore dessus, puisque, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup d'états fractionnaires qui existent. Donc, je parlais de tiers d'électrons, mais il y a aussi des états qui vont être des cinquièmes d'électrons, etc., etc. De plus en plus complexes. Et en particulier, il y en a un qui est très intéressant, qu'on appelle l'état nu égale 5 demi, dans lequel on a vraiment ces particules qui vont être très, très spécifiques, qui sont équivalentes à ce que peut-être beaucoup des gens ont entendu parler appeler comme des particules de Majorana. Voilà, donc, ce sont des particules qui sont leurs propres antiparticules, et donc des particules de charge neutre, mais qui sont ce qu'on appelle des, attention, gros mot, anions abéliens. Voilà. Non abéliens, pardon. Voilà, donc en gros... De toute façon, tu peux nous dire ce que tu veux, je pense, entre abéliens, non abéliens... Voilà, mais toujours est-il qu'il y a d'autres états de ces systèmes-là qui posent question et qui, pour l'instant, on a pu mesurer certaines de leurs propriétés, mais on n'a pas encore tout mesuré. Donc voilà. Okay. Et donc, une partie de mon projet de recherche, moi, c'est justement d'aller mesurer ces propriétés de fractionnalisation, pas de la charge cette fois, mais de la phase dans ces systèmes-là, donc la phase d'échange de particules. Bon, moi, du coup, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis maintenant seulement un an et demi, c'est depuis que je suis arrivé à l'ENS. Donc c'est encore assez frais, et puis c'est le genre de choses qui prend assez longtemps. C'est pour ça qu'on passe notre temps à aussi écrire des projets pour pouvoir financer des thésards qui vont bosser avec nous, ou des postdocs qui vont pouvoir bosser avec nous sur les mesures sur ce système-là, réaliser des nouveaux échantillons, etc. Mais c'est un processus qui prend des années. Un projet, typiquement, c'est 4 ans, et voilà. Ouais, donc et sans garantie grand succès d'arriver à la dernière tâche. Et entre les deux, il y a plein de tâches intéressantes qui sont aussi sur le chemin, qui nous apportent des informations qui peuvent servir pour plus tard. Il y a une question encore sur TikTok, et après on va parler quand même un peu de ta vie de chercheur à toi, de c'est quoi ton quotidien, quoi. Et donc c'est il y en a deux. En maîtrisant la physique quantique, pourrait-on modéliser une autre dimension physique? Je pense
Pas que ce soit du tout l'objet d'études de mécanique quantique. Après, là, si on parle de dimension, tout ça, on parle vraiment dans des histoires d'univers parallèles, ce qui est aussi l'interprétation d'Everett et tout ça, mais je reste assez persuadé que tant qu'on ne peut pas tester un truc et vérifier que les prédictions de la théorie sont vraies ou fausses, c'est de la philosophie, c'est pas de la Ouais, science. ouais, ouais, ouais. Voilà. Même si j'ai tendance à penser qu'après, la science est une branche de la philosophie, mais bon, ça, c'est d'autres questions, mais on repart Ça sur la ouvre, ça, métaphysique de... c'est ça, ça ouvre encore C'est un gros débat, le mais débat, quoi, voilà, mais. dans l'état actuel des choses, voilà, on n'a pas détecté d'univers parallèle ou quoi que ce soit. Ouais. Mais peut-être que c'est aussi lié, genre, tu sais, il y a des. C'est plus les questions, encore une fois, où on relie la physique à petite échelle avec la physique à grande échelle, mais genre toutes les théories de. Comment ça s'appelle où on a des dimensions qui se. Bah, Des la cordes. nouvelle, les théories des cordes et tout, genre peut-être que c'était ça que mentionnait. Enfin, Voilà, j'ai que. jamais eu de cours de théorie des cordes, je connais pas très bien. Ouais, bon, je connais pas très bien non plus, mais en tout cas, voilà, c'est pas. Non, on n'en parle pas ce soir. Il y avait une autre question. Est-ce que tu as entendu parler de la communication quantiquement sécurisée entre Vienne, Autriche et Hefei, Chine? Oui. Est-ce que ça a un lien du coup avec. Bah, ça a un lien avec la mécanique quantique de manière générale, mais après, c'est assez différent de ce qu'on a fait. En gros, je suis pas sûr parce que c'était un papier qui est sorti il y a déjà un petit moment, mais en gros, l'idée c'est de pouvoir sécuriser par les propriétés d'intrication des photons de l'information codée qui est envoyée d'un point A à un point B. Et en gros, l'idée c'est que si, il me semble que c'est ça, je peux me tromper, c'est que si quelqu'un essaie d'intercepter ce message, il va modifier les propriétés de la fonction qui définit. Enfin, la fonction d'onde qui définit les photons. Et en gros, on peut savoir si on a été écouté sur le chemin ou pas. Et donc, du coup, ça permet de garantir une certaine sécurité de transmission d'informations. Donc ça, c'est un autre aspect un peu de C'est l'information ça. quantique, C'est quoi, c'est l'information sur des quantique, c'est questions aussi de. extrêmement Ouais, large. Au final, on pourrait penser que c'est un seul truc, mais au final, il y a tellement de gens qui travaillent à la fois des matériaux différents, donc moi, plutôt sur la physique des solides, comme moi, ce que je fais, ou des gens qui vont travailler plutôt sur la physique des lasers. Donc, par exemple, à l'ENS, il y a aussi le laboratoire de LKB, qui est un laboratoire assez connu, qui a donc eu plusieurs prix Nobel, mais qui travaille sur là, aussi des propriétés d'information quantique, mais sur des systèmes qui vont être assez différents. Mais qu'au final, la physique, c'est l'avantage de la physique, c'est que à la fin, c'est des maths, et les maths peuvent avoir la même forme, peu importe l'objet qu'on va aller traiter. Voilà, Et donc, il oui. y a des choses qui se relient et des liens, même sur des objets différents. Même sur des aspects un peu différents. Ok. Bah peut-être qu'on va encore un peu discuter de toi, du coup, de ta vie de chercheur, là, parce que là, pour le moment, du coup, on a eu quand même. Enfin, on a parlé de trucs assez. Perché. Assez perché, c'est ça, enfin, assez technique, assez théorique et tout. Mais genre toi, ta vie au quotidien, c'est quoi? Genre, est-ce que t'es juste là à réfléchir aux problèmes quantiques du monde ou Non, je genre suis comment expérimentateur, je suis pas Ouais, théoricien, je passe mon c'est temps à vrai. changer de l'huile de pompe et à serrer des joints. Vas-y, Ben, en vrai, raconte-moi un peu, en vrai, c'est une partie du travail, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi dans la recherche, et en particulier dans la recherche expérimentale, c'est qu'on fait beaucoup de choses différentes. Parce que d'une part, il y a effectivement la partie où on va réfléchir devant son ordinateur, qui consiste aussi souvent à aller juste faire de la bibliographie, à aller lire des papiers des autres équipes. Mais typiquement, moi j'arrive le matin, première chose que je fais, quand j'ai le temps, c'est de regarder, ok, qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui sur Archive, la plateforme de partage en ligne, où les gens mettent leurs prépublications, et voir est-ce qu'il y a des avancées notables dans le domaine, est-ce que des collègues ont publié des trucs qui peuvent nous servir, ou qui sont intéressants, même juste par la curiosité personnelle. Ouais, un peu agrandir Voilà, sa ça peut culture donner des scientifique et idées, voir un parfois peu. ça peut débloquer des problèmes, permettre de modéliser différemment des systèmes, etc. Donc voilà, donc il y a la partie au bureau où on va par exemple dessiner de nouveaux échantillons pour après pouvoir aller les mesurer, où on va écrire des projets aussi. Donc ça c'est une grosse partie, c'est aussi de demander de l'argent pour pouvoir travailler simplement, puisque Et oui. a priori on n'a pas d'argent qui nous vient comme ça, on a notre salaire à T'as ton nous, salaire quand même, mais oui, on a ouais. besoin d'équipement, on a besoin de tout un tas de choses, on a besoin de gens pour venir travailler avec nous, de Et oui. thésards en particulier. Ouais. Et donc pour ça on passe beaucoup de temps à demander des projets. D'ailleurs ça en ce moment c'est l'ANR en particulier, qui est une grosse source de financement, qui est en cours là en ce moment. Et donc, voilà. Donc j'ai passé là une partie de la semaine à écrire des projets en bureau. Donc ça, c'est la Donc partie ça, c'est vraiment. une partie de la recherche, je pense, dont les gens discutent beaucoup quand même, hein, que genre une grande partie de gens extrêmement formés, brillants et tout, ça va être de faire des demandes de sous et C'est pas ça, que de mais faire en de la même temps, recherche, mais ouais. on peut pas vivre sans. Donc quelque part, Mais on les pourrait gens se imaginer sont des un peu. systèmes différents quand même, Bah, mais le système était différent avant. ouais. Avant, on avait des crédits récurrents qui arrivaient, même si c'était avant mon temps. Donc, je parle de quelque chose que je ne connais pas vraiment. Mais ça fait plusieurs années que, oui, la recherche est retrouvée un petit peu financée sur contrat. Du coup, soit au niveau français, au niveau européen, et même des contrats plus larges, internationaux qui peuvent exister. Voilà. Donc, c'est une grosse partie du travail. Et après, il faut gérer ces choses-là, puisque déposer un projet, ça implique aussi, après, de collaborer avec des gens beaucoup. Donc en particulier, nous on travaille beaucoup avec des théoriciens qui vont nous aider à avancer notre compréhension des systèmes qu'on étudie.
Donc ça, c'est aussi une partie, genre du coup, ce que tu as dit, lire des trucs pour se documenter, écrire des emails. Écrire des emails. Du coup, ouais, enfin, être en contact avec des gens, tu passes aussi beaucoup de temps, genre à parler soit avec des théoriciens, soit avec d'autres... Ouais, bah après, du coup, on essaie de parler, d'être assez efficace, donc on parle ensemble quand on a quelque chose à se dire. Oui, aussi. Oui. Et après, on parle aussi beaucoup avec les gens, par exemple, je parlais de ces échantillons de gaz d'électrons à deux dimensions qui sont bloqués, donc, qui sont confinés sur 10 nanomètres. Donc nous, on ne fabrique pas nous-mêmes ces gaz-là parce que c'est des choses qui demandent, qui ont leur propre technologie, leur propre manière de faire, leur propre technique. Donc on travaille avec des gens, nous, du C2N à Saclay ou des gens même de Zurich qui nous fournissent nos échantillons. Mais qui sont aussi c'est des labos de recherche. C'est aussi des labos de recherche. Ouais. Après, ça va dépendre parce que par exemple, des gens qui travaillent plus sur des bases de silicium, eux peuvent acheter le silicium comme ça aux industries, c'est assez facile. Mais nous, c'est des trucs qui sont plus spécifiques et on veut des systèmes qui ont de très grandes puretés. Et la pureté peut être vraiment obtenue que sur des techniques très spécifiques qui ne sont pas forcément utiles pour l'industrie. Donc, ça existe qu'à l'échelle de recherche. C'est des trucs qui sont juste créés pour ceux qui en ont besoin. Quoi. Voilà. Et donc, après, une fois qu'on a ces échantillons, on a besoin de les fabriquer. Donc, soit des gens qui fabriquent pour nous, ce qui peut arriver. Par exemple, nous, on travaille pas mal aussi avec d'autres gens du C2N à Saclay qui font de la fabrication d'échantillons. Mm-hmm. Donc, ils vont aller définir de manière lithographique les structures. Lithographique, c'est-à-dire qu'on va... en gros, c'est le même principe un peu que de la photo. C'est qu'on va déposer sur les échantillons de la résine, photosensible ou électrosensible. Mm-hmm. On va, via une machine qu'on appelle un masqueur, définir les zones à insoler. Mm-hmm. Après, on développe la résine qui va laisser uniquement l'empreinte des zones qui ont été insolées. On peut déposer des métaux après par-dessus, ou alors on peut venir attaquer chimiquement pour définir des zones plus ou moins utiles. Et après, on retire, on recommence, on fait plusieurs étapes. On peut avoir jusqu'à une dizaine d'étapes de lithographie sur un échantillon pour arriver à l'échantillon fini sur lequel on peut travailler, nous, dans nos frigos à dilution. Mais du coup, c'est pas vous qui faites toutes ces étapes Ça dépend. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait pas mal quand j'étais avant à Copenhague et même quand j'étais après à Saclay. Et là, je vais le relancer au labo, parce que pour l'instant, c'est pas quelque chose qui existait dans mon équipe, et on avait justement des collaborations. Pour le coup, j'ai pas mal discuté avec les gens de Saclay pour apprendre comment eux faisaient, quelles étaient leurs techniques, un peu leurs secrets de fabrication, pour pouvoir après pas partir de zéro. Parce que c'est des savoirs qui sont maîtrisés là-bas, mais qui prennent beaucoup d'expérience. Donc il y a beaucoup aussi d'interactions comme ça pour demander, ok, comment tu fais cette étape-là, quelle était la densité électronique dans ce matériau, etc. Donc c'est assez collaboratif, quoi. C'est un truc que j'aime bien aussi, c'est que c'est très collaboratif. Ouais, il n'y a pas que ce côté où chacun veut découvrir d'abord, donc il y a un peu côté compétition. Ça existe aussi, en particulier sur les sujets aussi compétitifs que ceux-là, où il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus à l'étranger. Ouais. Je te disais tout à l'heure, entre le papier de l'équipe et celui des États-Unis, c'est 6 mois. Donc c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une importance de garder pour soi ce qu'on fait, mais au moins de contrôler un peu l'information, puisque après ça peut conduire aussi à des gens qui publient des choses de manière précipitée et qui ne sont pas forcément justes après. Voilà, donc il y a une émulation qui peut être saine, mais qu'il faut savoir gérer aussi. Ouais, il y a une balance des deux choses. Ouais. Mais du coup, là, tu as dit plein de choses, mais tu n'as pas bossé. T'as pas parlé du travail expérimental. Ouais, alors voilà, parce que du coup, ça c'est un. Le travail expérimental, c'est vraiment un truc qu'on fait moins quand on est chercheur. Oui. On est plus dans la relation et la discussion avec les gens. Et voilà. Mais après, bon, il y a effectivement le travail expérimental pur qui va consister à aller, par exemple, souder l'échantillon sur le porte-échantillon pour après le rentrer dans notre machine. Donc, c'est ces frigos à dilution qui sont ces espèces de boîtes de conserve géantes en format de poupée gigogne où en fait on a différents écrans à différentes températures pour pouvoir descendre de plus en plus bas. Intérieur. Et donc à la fin, on vient mettre l'échantillon tout en bas du frigo et on refroidit. Et une fois que lui est refroidi, on est bon, on peut adresser l'échantillon via les lignes électriques qui ont été connectées. Et après, on va le mesurer. Donc tout ça, mesure vraiment. Et ça se présente comment? Genre, vous avez j'imagine, cette espèce de gros frigo et à côté, vous avez genre une espèce de centre de contrôle. On a un ordinateur. Qui fonctionne sur Windows 10. Sur Windows 10? Je sais plus où on en est, mais c'est un ordinateur, tout ce qui est le plus classique. C'est étonnant d'être sous Windows, quoi, mais bon, ça sert ça dépend en fait, c'est problème de compatibilité, de driver, etc. Surtout, après, on va avoir du coup des tableaux avec chaque ligne sur l'échantillon qui correspond à une ligne en haut. Qu'on peut connecter aux appareils, qu'on peut connecter à une source de tension, par exemple, pour pouvoir décider d'ouvrir ou de fermer une barrière, ou alors pour appliquer une tension. Voilà. Okay. Et après, tout ça est mesuré sur des appareils de mesure. En particulier, nous utilisons ce qu'on appelle des lock-in, qui sont des amplificateurs de signal à une fréquence donnée. Et après, tout ça est acquis via l'ordinateur, via des programmes adaptés à tes souhaits. Excusez-moi, merci. Et en particulier, donc, on travaille beaucoup sous Python. Donc il y a une bibliothèque Python qui s'appelle Qcodes qui est adaptée vraiment aux mesures scientifiques, qui permet d'avoir tous les drivers intégrés pour toutes les machines typiques
qui sont utilisées dans ces manips. Et donc après, on récupère les données et il faut réussir aussi à bien pouvoir avoir tous les paramètres de l'expérience qui sont enregistrés en même temps que le signal qu'on essaie de mesurer. Il y a une bonne blague sur YouTube, après l'ordinateur quantique, l'ordinateur relique, donc ça fait écho à ton système d'exploitation. Non, celui qu'on a, je ne sais plus ce qu'on a, mais il n'est pas si vieux que ça. J'ai vu des vieux ordinateurs dans les laboratoires, mais souvent parce que les machines ne fonctionnent que sur Windows 98 ou des trucs comme ça. Mais donc, en tout cas, en plus de la partie vraiment, pour revenir à ce que tu fais, en plus de la partie expérimentale, il y a aussi une partie un peu genre analyse de données. Donc après, du coup, une fois qu'on a mesuré, il y a toute la partie analyse de données. Mais il y a aussi des fois où la machine ne marche plus. Et là, c'est la partie plomberie. Ah ouais. Et là, parce que du coup, tous ces systèmes-là fonctionnent à base de pompes, c'est-à-dire que s'il y a un liquide, il y a un gaz d'échange qui circule dans le frigo pour pouvoir extraire de la chaleur de là où on veut qu'on soit froid et l'envoyer vers l'extérieur. Donc ça demande tout un système de pompes, de compresseurs, etc. Et parfois, ça ne marche plus. Parfois, c'est des trucs qui sont simples qu'on peut régler nous-mêmes parce qu'on a une fuite quelque part et donc du coup, il suffit de changer une vanne, changer un truc. Et parfois, c'est plus compliqué. Là, du coup, on est obligé de demander aux gens qui nous ont fourni le frigo de venir faire des réparations dessus. Et donc, ça peut prendre pas mal de temps. Et parfois, il s'agit juste de changer de l'huile de pompe, comme je disais tout à l'heure. Donc, j'ai changé de l'huile de trois pompes cette semaine, là. Et c'est sale et ça sent mauvais. Mais, Ça, je trouve ça assez drôle quand même, parce que de tout ce qu'on a parlé, c'est des trucs quand même genre assez théoriques, assez genre vraiment physique fondamentale. C'est tout. Littéralement les mains dans le cambouis. Et en fait, il y a vraiment cet aspect, ouais, mains dans le cambouis, au sens propre, réparer des fuites, faire marcher des frigos et tout. Quoi. Parfois, il y a des choses, mais le fait d'être, du coup, quand on fabrique nos échantillons, on va dans des salles blanches. Ouais. Et là, c'est un peu le petit chimiste. Hein, on met l'échantillon un petit peu dans le développeur, puis dans l'IPA, enfin l'isopropanol, puis après on le nettoie avec de l'eau, et parfois on essaie de le sécher, l'échantillon part à perpète les oies, et on l'a perdu, il faut recommencer. C'est des trucs typiques, mais après c'est des choses qu'on apprend aussi, et plus ça va, plus on est propre, plus on est méthodique, moins on perd d'échantillons dans le clavier de l'ordinateur. Parce que c'est quand même, ça a l'air d'être un truc quand même de précision, quoi. Donc on s'imaginerait pas que c'est fait comme ça. C'est pas fait comme ça, la salle blanche est quand même là pour une raison, c'est quelque chose qui est un environnement qui est extrêmement propre pour éviter que les poussières se déposent. Mais voilà, malgré tout, on reste des humains et on fait des erreurs. Mais donc, vous êtes quand même en salle blanche où tout est contrôlé, t'as ton petit vêtement blanc et tout. C'est ça, mais c'est plutôt bleu clair en vrai. C'est bleu clair, ouais. Ça dépend des laboratoires, ils aiment bien changer. Des petites questions avant que je te pose nos questions finales des lives. Déjà, qu'est-ce qui t'a déjà fait vriller le cerveau dans tes recherches et ou dans ton parcours? Typiquement, une machine qui marche pas et que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. T'as une machine qui devrait être bête où tu branches et tu mesures et ça marche pas. Et souvent, c'est des trucs bêtes où un driver a pas été mis à jour ou alors il y a un câble qui s'est débranché sans que tu t'en rendes compte. Des trucs comme ça, on n'arrivait pas à discuter avec le champ magnétique sur notre frigo. C'est vraiment parce qu'on avait bougé l'escabeau derrière la manip pour faire un truc sur le dessus et on avait débranché le câble sans faire exprès. Ce genre de choses qui sont bêtes, qui peuvent faire perdre un temps fou. Pareil, on avait un compresseur qui marchait plus, donc on n'a pas compris pourquoi le gars est venu pour réparer le compresseur, il n'a pas trouvé. Et finalement, c'est une mise à jour système du compresseur, c'est-à-dire du logiciel tout pourri qui permet de contrôler les vannes du compresseur qui a réglé le problème. Et des choses où on perd un temps fou, mais voilà. Ça, je pense que même en physique pas expérimentale, mais nous, ce qu'on fait plus, c'est beaucoup d'analyse de données où genre on perd du temps parfois. On a mis une virgule, un truc comme ça. Ou genre des codes qui marchent pas parce qu'il y a une mise à jour qui s'est fait, un truc et plus rien n'est compatible. Donc ça, vraiment, ce qui rend le plus fou, c'est pas forcément les questions vraiment genre profondes du truc, mais c'est vraiment parfois des trucs purement matériels, quoi. Mais, c'est la vie de chercheur aussi, quoi. Puis après, du coup, il y a toute la partie traitement de données où parfois on se mélange les pinceaux, et c'est ça l'avantage aussi, c'est que comme on a l'opportunité de changer ce qu'on fait régulièrement, on peut aller respirer quelque part. On n'est pas obligé de rester passer deux jours sur une seule tâche. Parfois ça fait du bien de juste aller justement vider de l'huile de pompe et revenir, tu fais ah mais c'était bête, c'est juste j'oublie un point virgule sur mon programme C'est vrai que ça me convainc, hein, ça me suppresse, je suis à deux doigts d'aller faire de la physique expérimentale en fait, pour pas me taper la tête contre mon ordi toute la journée. L'avantage, on peut se taper la tête sur plein de choses, pas que sur l'ordi. C'est ça, exactement, bah, c'est bien. Ça fait des matériaux différents. Nos dernières petites questions un peu habituelles de Space Apéro, du coup, je sais pas si t'as eu le temps d'y réfléchir, parce que je te les ai annoncées juste avant le début du live, donc c'était un peu surprise. Mais est-ce qu'il y a une découverte scientifique, quelque chose dans l'histoire des sciences globalement que tu aimes bien, enfin un truc qui t'a marqué ou que tu trouves intéressant Je pense que je suis sûrement pas le seul là-dedans, mais enfin, quand j'étais petit, j'étais un fan inconditionnel de Sciences et Vie Junior, en particulier tout ce qui était relativité restreinte, relativité générale et mécanique quantique, c'est un truc qui me fascinait. Sous le fait que ce soit quelque chose d'aussi proche de nous et qu'on ait mis autant de temps pour découvrir toutes ces propriétés, donc entendre parler de ces gens
Einstein, Bohr, Oppenheimer, voilà, tous ces gens qui finalement sont en fait un petit groupe de personnes et qui ont vraiment conduit à une révolution scientifique incroyable et qui donne lieu à la vie qu'on a aujourd'hui, qui est problématique par d'autres aspects, mais voilà, l'émulation intellectuelle de cette époque est assez incroyable. Et donc du coup, c'est un peu ce qui m'a motivé aussi à la base à aller vers la physique, c'était un peu cette idée de je vais être un grand théoricien, je vais découvrir de nouvelles choses auxquelles personne n'a pensé. Et finalement, je change de l'huile de pompe. Mais quelque part, c'est aussi c'est un peu une redescente sur Terre. C'est aussi que se dire, on ne peut pas faire des révolutions continuelles. Il faut aller chercher vraiment dans les petits détails où sont les erreurs. Parce que la naissance de la mécanique quantique, c'est vraiment, il y avait deux, trois points qui n'étaient pas clairs dans la théorie classique. On pensait qu'on allait évacuer comme ça. Et finalement, c'est ça qui a donné, on s'est engouffré dans la brèche et ça a donné naissance à toute cette physique nouvelle et hyper intéressante. Voilà. C'est beau, c'est un beau, c'est vrai que c'est une belle conclusion quoi, qu'il faut qu'on n'ait pas, on n'a pas tout le temps des changements de paradigme comme Ça. ça, mais il faut C'est un truc aussi dans la vie de chercheur, c'est que je pense que tu connais ça aussi, si tu passes 6 mois où rien ne marche et où tu es au fond du trou et tout d'un coup il y a un truc qui marche et qui te redonne cette énergie, cet espoir et cette envie de continuer pour Clairement. 6 mois de fond du trou ou pas, parfois Clairement, ça. ouais. C'est vrai que c'est un truc assez global. On avait déjà parlé de ça à un des lives avec un autre chercheur, et je pense que c'est assez global ouais, d'avoir ces différentes phases et justement de savoir aussi bah, continuer de se motiver pendant les moments un peu de down pour aussi passer par pour les trucs où ça fonctionne. Et du coup, une question subsidiaire, mais genre, du coup, j'imagine que tu as vu Oppenheimer le film parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est dans une pub, une bande-annonce géante pour Oui, j'ai ça. vu le film. T'as bien aimé? C'est mieux que Barbie, j'ai trouvé. C'est mieux que Barbie? Ah ouais. Bon, ça c'est un tout autre débat encore. Et du coup, la dernière question un peu classique, c'est est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais avoir découvert de ta vie, enfin genre une grande, je sais pas, une grande question qui te passionnerait de voir répondu, quelque chose, un mystère comme ça qui. Le mystère de l'administration française et du CNRS, c'est une question qui nous obsède tous, mais quelque part, c'est un peu le sujet sur lequel je travaille, c'est est-ce qu'on peut vraiment avoir ces particules spécifiques qui vont être ces anions non abéliens. Les fameux. Voilà. Et est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Est-ce qu'on peut créer un ordinateur quantique? Je pense que c'est une question qui est. Les gens travaillent énormément dessus, mais qui est malheureusement assez loin d'être résolue. On est loin d'avoir un ordinateur quantique, et en tout cas, je pense qu'on n'aura jamais un ordinateur quantique dans le même sens qu'on a un ordinateur portable chez soi. Parce que les ordinateurs, par exemple, je sais pas si les gens ont vu la dernière saison, par exemple, de Black Mirror, où ils présentent un ordinateur quantique. Et moi, je sais, bah, c'est juste un frigo à dilution, les gars, vous avez rien mis dedans. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'imaginaire dans la pop culture de ce que ça peut être. Et dans la réalité, c'est un peu moins sexy quelque part. C'est-à-dire que finalement, un ordinateur quantique, bah, c'est un petit échantillon au bas d'un frigo qui est lui-même contrôlé par un ordinateur purement classique. Et pour après, c'est pas dit que c'est pas amené à évoluer dans les années à venir, mais dans l'état actuel des choses, on est vraiment au tout début de ce genre de choses. Voilà, donc les gens qui promettent l'ordinateur quantique dans 10 ans, je suis pas non plus hyper convaincu, mais malgré tout, ça reste des sujets qui sont extrêmement intéressants à aller Bien étudier, sûr. des questions très fondamentales qui demandent des réponses, et c'est ça qui nous motive aussi en tant que Bah oui, chercheur. avec ou sans l'application qui en résultera peut-être un C'est jour. ça, moi on me demande souvent, mais à quoi ça sert ce que tu fais? Je dis, bah, dans l'immédiat, rien, mais c'est pas ça l'un qui est important. Enfin, je pense qu'il y a tout un tas dans toutes les branches de la recherche, que ce soit en biologie, en chimie, des gens qui recherchent parce qu'il y a une question qu'ils aimeraient résoudre, mais qui n'a pas forcément d'application non plus. Et c'est juste cette curiosité qui nous motive. Bah, je suis complètement d'accord avec toi et je trouve que c'était des très belles paroles pour terminer ce live. Quand même, un petit commentaire sur TikTok qui était de merci de nous avoir partagé un bout de votre univers scientifique, vous êtes mes héros. Donc, ça fait toujours, c'est toujours gentil. Super, on est passé chez Marvel tout d'un coup, c'est C'est bon. ça, exactement. Bah, merci beaucoup encore une fois, Jarbo, d'être venu ce soir, de nous Pas avoir de raconté souci. tout ça. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve du coup dans 2 semaines. Je ne sais plus qui vient, mais il y a un live prévu, donc on parlera d'autres choses. Voilà. Passez une bonne fin de dimanche. Merci à tous et merci à Merci, toi. au revoir. Je coupe les lives à la main parce que.